For the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Pain was over. Keep you warm by the boring sea.
Bonsoir à tous. Première game de la saison. Je suis pris un peu de court, désolé les gars, j'avais complètement oublié qu'on streamait ce soir. Mais ça y est, c'est enfin l'entame de cette saison de grosse ligue. La saison, on est en quelle année? On est en 2022, c'est ça? Donc 2022. Ouais, 2022-2023. Ça va être incroyable. Et attention, je ne suis pas tout seul parce que je suis avec, attention, une nouvelle pépite. Recruté depuis l'apophysée de l'Académie du Caster. C'est absolument incroyable, il est là pour son premier cast ce soir. Salut à toi. Putain, j'ai oublié. Attends, faut que je cherche. Parce que du coup, je connais carrément. Carrément arrivé il y a 3 minutes, donc j'ai oublié. C'est quoi ton pseudo déjà? Merde. C'est Cristal. Cristal, salut Cristal. Ouais, salut, ouais, ouais. Cristal. Est-ce que. Tu vois, moi, je vais découvrir en même temps que tout le monde, c'est cool du coup. Est-ce que je peux t'appeler par un prénom? Tu préfères ton pseudo? En fait, c'est mon prénom. Voilà. C'est sinon, vraiment ton pseudo, prénom, Cristal? Oui, sinon mon pseudo, ça sera The Rosé, mais voilà. Ouais, bah, Cristal, c'est mieux. C'est vachement mieux, Cristal. C'est vachement mieux, tu vois. Ouais, mec, mais. Ok, attends, faut que je me recentre un petit peu. Donc, ce soir, pour. Donc, ton premier cast, ça c'est absolument incroyable, on va s'éclater. Il y a déjà des gens qui sont en train de te. Et on est 33 sur le stream, c'est exceptionnel ce qui se passe. Tu te fais déjà encenser sur le chat. C'est incroyable. Donc, ce soir, on va se calmer un petit peu. Moi, je suis un petit peu flippant en ce temps là. Je vais m'asseoir 2 secondes. On est là pour les premiers try-out, première session de try-out pour les deux équipes de grosses ligues de la POF. Même ce qui va jouer sur. D'ailleurs, je dis grosses ligues, c'est celles qui seront enregistrées sur la grosse ligue, mais c'est sûrement les mêmes qui vont suivre. Pour tous les tournois de l'année. Et donc ce soir, on a 3 matchs normalement. Et donc le principe, c'est qu'on va faire tourner plusieurs compos d'équipe avec à chaque fois des joueurs qui joueront leur poste. On a des drafts qui sont déjà préfaites. Donc on va pas forcément vous montrer des phases de draft intéressantes de foot, ni même des compos qui sont super équilibrés, ni quoi que ce soit là-dedans, dans cette typologie-là. On va plutôt avoir des games qui sont complètement unbalanced et des match-ups dégueulasses. Mais c'est pour les mettre en difficulté. On veut voir si tu peux gagner un match-up facile, on va voir si tu peux gagner un match-up difficile. Alors, je sais que t'as dû sûrement avoir un peu plus de préparation que moi au niveau des drafts. Oui, regardez les drafts, y'a des choses qui font mal aux yeux. Y'a des choses qui vont mal. Qu'est-ce que tu penses de la draft de cette première game? Donc celle de 20h30 là. Moi je pense que je vais parler avec la première chose qui m'a frappé, c'est le match-up en bot lane. Le match-up en bot lane qui est MF Leona, donc un combo très connu. Hein, ouais, ça marche bien. Ça marche très bien contre Jhin Lulu. Là, j'ai des doutes sur le Jhin Lulu, je vais pas te mentir. En vrai, s'ils tiennent, c'est stylé. S'ils gagnent, ça peut en effet être stylé. Maintenant. Je pense que c'est... Ouais, ouais, Max. Mais non, bah, Sun 59, les 4 bits, on va pouvoir acheter des micros et attends. Est-ce qu'on peut mettre un seul boule en vite fait pour mettre la pression à Armand? À combien on a le droit à notre studio dans les locaux de la porte avec son dernier micro et caméra là? Ça, j'ai dit que je lançais l'année dernière, ça va être fait cette année. Hein. Ça y a pas. Hein. Je sais qu'il y a eu des subventions, il y a les Qataris qui sont venus. C'est cette année, c'est studio, c'est caméra et c'est fonds verts. Et ça, j'y démordrai pas. On est d'accord? Allez, on vient Maxime, balance une pub, ils sont 40 là, on s'en va. Oh, look at the class, look at the moves! Thank you! What was that? Thank you! Si, alors c'est Rivia pour son abonnement Prime, c'est son premier mois, c'est absolument incroyable. Faut pas oublier de le renouveler, hein, parce que ça se fait tous les mois. Donc n'hésite pas à revenir le 18 mois pour le 18 mois prochain, histoire de justifier qu'on a un peu plus de film. Bascule 59, qu'on voit son Prime aussi. C'est exceptionnel, bah nickel, hein. C'est déjà, en vrai, c'est déjà presque prêt. C'est déjà presque prêt, on a déjà bientôt notre studio. Putain, y'a. Ah non, c'est des premières personnes qui utilisent le chat. Je devrais aller sur le truc modérateur, sinon je vais rien voir du chat. Hop là. Est-ce que vous m'entendez toujours, l'équipe? Ouais, on découvre. Ouais. Vous m'entendez toujours? C'est parfait. Bon. Du coup, retour sur cette draft. Parce que là, on s'est un peu fait embarquer par l'argent. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses des drafts? Bah franchement les drafts sont toutes assez intéressantes, hein. Il y a du moins bon, il y a du meilleur. Moi ce que j'attends beaucoup c'est la game 2. On va vous laisser la surprise pour la game 2. Non mais même moi c'est une surprise. Et ouais, même pour toi ça sera une surprise. Moi je trouve que la draft de la game 2 est très intéressante. Ok. Et sur celle-là, donc dis on regarde les matchs. Oh my god, inhuman reactions. Je vais pas élaborer beaucoup sur la botlane parce que voilà. Mon petit cœur d'ADC a mal. Mais moi, ce que je trouve intéressant, ça va être la mid lane, je pense. Vladimir contre Swain. Alors, c'est un match-up qu'on voit pas souvent. Un match-up qu'on voit pas souvent, mais
Vladimir, il me semble que ça a été buff il y a pas longtemps. Swain, ça a beaucoup de potentiel. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer, je pense. Oui. Oui, bah après Swain, ça c'était fort après son rework, hein, de ce que je me rappelle. Moi, faut savoir que tu risques d'être mon expert ce soir. Parce que j'avoue que niveau puissance des champions, tout ça, moi j'ai regardé des matchs dans mon fauteuil et j'ai pas testé les champions, tu vois. Je comprends. Là, je suis plus en mode Aram Gaming, Urgini en ce moment, tu vois. Genre, moi je vais surtout être expert sur les ADC. Ouais. Et Swain, je connais très bien aussi. Parce que Swain est un champion absolument d'abruti. Oui, d'accord. Ouais, que tu peux jouer en botlane sur un bon 80% de winrate sur toute une saison. Ça, je peux entendre ça. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et donc, du coup, on part sur le début de la game. On est parti. Est-ce que tu penses qu'on va avoir droit à un petit level 1 quelque part là? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de début de la partie? Petit invade, je vois beaucoup de ping. C'est des joueurs qui ont jamais joué ensemble. J'avoue, perso, je ne tenterai pas, tu vois, ça me paraît un peu... Après, est-ce que c'est pas pour se vendre? Il faut pas oublier que chacune de ces personnes essaie de se vendre en individuel. Donc l'objectif, c'est de prendre le plus de solo kills sur sa lane. Et tiens, on va voir un petit peu par rapport aux joueurs que moi je connais. Je sais que dans l'équipe l'année dernière, Shelby, pour moi, c'est un mec qui va être difficile à déloger. Donc à voir, j'ai envie de voir un petit peu des ADC qui vont aller le titiller. Parce que si on peut faire tomber Shelby, c'est qu'on risque d'avoir un très très bon ADC cette année. Donc, je veux voir Shelby tomber par un mec qui joue du Challenger, tu vois, du Grand Master tier. Après, ensuite, dans ceux que je connais, je sais qu'il y a Moonset qui jouait en AK l'année dernière. Waltz, il jouait en principal, il jouait en Apo 1. Parce que Moonset jouait au même rôle que lui, Moonset jouait support. Sauf que du coup, Moonset, cette fois, est passé en top lane. Et ensuite, Kova, je connais des 2v2 Alten. Sinon, je connais personne d'autre, c'est découvert pour moi. Je sais pas si toi tu connais des joueurs là-dedans. Peut-être des potes à toi ou des trucs du genre. Vraiment pas du tout. Pas du tout. Personne? Personne. Sur les prochains matchs, peut-être un joueur que tu supportes? Pas du tout. Personne? Moonset était top. Non, Moonset. Attends, Moonset jouait top? Moonset jouait pas support? Moonset jouait 100% top. Bah, je suis super chaud, je crois, je comprends alors. Eh ben, my bad. Moonset jouait top. Mais qui est-ce qui était le support de la CAN l'année dernière alors? Avec qui je t'ai... Ah mais non, c'était Clément. Pour level 1. Carrément, ouais, petit trade de Jax là sur ce top side. On va peut-être se concentrer sur la game. Moi je vais enlever mon pick. Oh attention, le trade de Wax ici, on va pouvoir... sur le Jin, on va lui mettre 2-3 claques. Attention, on va pouvoir le descendre à moins 3 car HP. Et on est plutôt content de ce trade, je pense, au niveau de la... On est plutôt content de ce trade, surtout que le Jin a une Doran's Blade. C'est vrai ça. C'est compliqué de sustain, notamment pour... Attention, peut-être ce E sous la mort, c'est très très dangereux. C'est très osé. 3 summoners, non, 2 summoners, c'est pas grave. 2. Je croyais que c'était... Joli trade de la part du Swain. Oui, joli sur ce Vladimir qui avait sûrement pas encore sa flaque. Et c'est le moment de prendre ses trades sur ce matchup mid lane. Oui. Un bel avantage. Oh là là, attention les flashs. Attention, on y retourne encore une fois pour Walls qui va encore une fois prendre un coup de pouce. Petit manque de compréhension côté blue side. First blood de Lulu. Aïe, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Attention, ici ça touche, les gars. Ça touche. Il va se faire solo kill au mid et là. Là, c'est la catastrophe pour l'équipe rouge. Catastrophe en effet. 2 premiers kills. Déjà 1000 gold d'avance. Oh, frère, j'ai chaud, je me suis carrément mis torse-poil là. On va avoir cette invade, c'est smité par ce Nocturne, le Jax il va pas pouvoir rublionner tant que ça. Et le Kha'Zix il est sur son top 7, alors jouer Kha'Zix en équipe, c'est un concept. Ça me paraît osé en effet. D'avoir mis Kha'Zix dans une compétition à 5. Alors ce que j'aimerais bien aussi te faire remarquer sur le Kha'Zix, c'est qu'il joue Conqueror Ghost. Tiens. Pour le coup, moi qui ne regarde que le propos, qui joue jamais en solo queue, c'est un champion que je vois très très rarement. Donc j'avoue que je sais même pas si ça se joue vraiment avec un but conquérant. Il doit jouer quoi, Gordrinker là-dessus, jouer full brûleur? C'est fort possible. C'est fort à chier, non? Je sais pas si c'est à chier, mais moi je pense que ça peut marcher. J'attends de voir et attends. D'ailleurs, en parlant du Kha'Zix, tu peux pouvoir d'achat ou t'es se mettre en sécurité là-dessus. Et un bon trade, on va le repousser dans sa jungle. Oh my god, inhuman reactions! En réponse.
Oh, un nouvel abonné Prime, merci à Victor avec 2 H. Pour son petit sub Prime, c'est 5 balles de plus vers le sud. Attention, ici on se fait attraper dans la jungle. Attention, on meurt quand même. Aïe. Bon, alors, pour se rassurer, le flash c'est pas non plus primordial sur Nocturne. Il va juste essayer normalement de power farm jusqu'à son niveau 6 et récupérer son flash. Mais, en l'occurrence, ça laisse la porte ouverte à tous ses laners, notamment en side lane, pour essayer de prendre un peu plus de priorité sur ses side lane et peut-être aller chercher les objectifs en début de partie. Donc, dommage. Il va falloir essayer de tenir la baraque pour les match-ups qui sont avantageux, comme surtout cette Miss Fortune Leona, qui pour l'instant a pas montré des choses incroyables. Allez, attention, alors. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans le chat. J'ai l'impression que Bastion59 est full supporter de l'Ernoubou. Alors, j'ai même pas envie de lire son pseudo, je suis désolé, mon bro. Mais je t'obtiendrai pas ça de ma personne. J'ai un tout petit peu trop d'amour. Bon, attention, peut-être se flasher de Leona. On va toucher lui, on va toucher le Q. On a tout, les gars. Il n'y a pas de flash sur ce Jhin, donc c'est complètement mort. Oh, et c'est très bien trouvé. Très bien trouvé. Le Swain qui a un gros avance d'XP aussi, je vois ça. Il manque un bag, certes, mais. Gros avance d'XP, mais il est un petit peu bloqué sur cette lane en effet. On va voir s'il va pouvoir trouver un bac avec justement la pression qui va lui être donnée, ouais. Il risque de pouvoir le trouver là-dessus. Il va le trouver justement. Et on va voir. Donc on a ce Drake qui est up. Pourra peut-être être justement amorcé par l'équipe bleue s'il récupère ça, en sachant que le Kha'Zix repart topside. Le et oser de ne pas backer ici. Le flash qui doit être consommé. Est-ce que ça va suffire? Non, ça suffira pas. T'as un multi, non? Et attention, ça touche ici du côté de cette Leona. On peut mettre sur ce Jhin. Toujours pas de flash. Toujours pas de flash. Attention, Shaggy qui va réussir à trouver les dégâts. Ça va être pris par la Lulu. Ce combat sur le flash. Ça bouge partout dans la map. Il se passe énormément de choses. Faisons un point. Je t'en prie. Et du 1 pour 1 en même temps, est-ce que du côté bleu, on est pas un peu déjà dans la merde, ma foi? J'ai l'impression qu'on n'est pas au maximum. Même celle qui devrait hardwin prend 20 CS, mais concept tranquille. Donc c'est un peu compliqué, attention. Ici, le flash de Walls qui va rien trouver. Consommé. Bon, on y va. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de perdre autant de temps sur ce bot side du côté du Nocturne? Je pense pas. Je pense qu'on peut reculer. Et c'est un énorme freeze en attendant qui est trouvé par Shelby là-dessus. Ça risque d'être... ouais non, c'est enlevé. C'est dommage d'avoir trouvé un aussi gros freeze, sachant que la wave était assez énorme pour la Lulu pour pusher. Et il fallait peut-être essayer de taper un petit peu plus fort cette wave, la wave bleue qui a été rapetissée un petit peu trop vite. Alors, je vais lire un petit peu le chat pendant ce temps-là. Medgale plus Shelby sur une botlane pareille, c'est un peu de la triche. Bah, en l'occurrence, ils sont en train de crotter un petit peu sur tout ce qui est duel. En l'occurrence, il met peut-être 20 CS d'avance, mais là on va perdre une plaque. On a concédé 3 kills. On s'attendait peut-être. Quel dommage qu'ils aient. Ce Swain qui stack très fort quand même. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça fait. Et puis en plus, il est plutôt safe dans son matchup face à Vladimir. Normalement, il devrait plutôt bien s'en sortir. Il devrait pouvoir aller chercher quelques items pour jouer son mid-game. Ils ont un mid-game assez puissant, j'ai l'impression, niveau raid. Hein, avec ce de Jhin, du Swain et même ce Kha'Zix. Le mid-game en effet est assez violent. On va voir si ce sera sûrement contestable quand même du côté bleu. On verra. Crystal caste plus fort. Il faut que tu castes plus fort. Je caste plus fort. Hurle, vas-y, tu vas pouvoir faire le prochain play by play. Je t'en prie. Attention, c'est pas sur le stream parce que je regardais le chat. Ça y est, exemplaire qui c'est terrible. Attention, le match-up est illégal. En effet, malgré une petite avance en early, ça reste compliqué en botlane. Que faire contre deux ultis? Ah oui, tiens, on soulève un point intéressant dans le chat. Parlons vite fait du build du Renekton. Non, du build de Renekton, en effet. Là je rêve. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui se foutent de notre gueule. Bon, j'ai pas envie de parler trop vite, mais je suis quasi sûr que ça pue la merde. Alors là,
Bon, attention, peut-être. Ah, ils vont utiliser trouvé par Antoine ici, on va surprendre le James. Oh, le bon Black Ninja, par contre, Jax, il va venir prendre ce qu'il en met de Skull Nounours. Est-ce qu'on a les dégâts? On a quand même les dégâts pour prendre le kill du côté de Jax. C'est lente opération du côté de Jax qui va réussir à prendre son kill en 1v2. Kha'Zix, il va pas pouvoir encaisser le double up là-dessus. On va juste repartir avec ce simple kill. Et c'est Swain. Ouh, attention, Swain qui est plutôt tranquille sur sa mid lane. On va peut-être tout encore non. C'est dodge du côté de Dreadless. Oublie de plaque pour cancel un petit peu les stacks, malheureusement. Ouais, alors, faisons un point sur la game tant qu'on est sur un petit temps creux. On est sur une égalité au niveau des golds à 10 minutes. Et pour toi, quelle est l'équipe qui semble être le mieux engagée dans la game pour l'instant? Bah, je pense pas qu'il y ait de préférence, je pense que tout va se jouer au mid-game sur des objectifs. Parce que ça me semblait mal parti côté bleu, mais ça va, on a réussi à égaliser au gold sur un retard déjà de 2000 gold quand même. C'est vrai qu'ils étaient un peu derrière, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont devoir reposer sur les épaules de ce Jax et de ce Swain s'il réussit à maintenir une bonne lane et peut-être à prendre un peu plus de black. Parce que ce Jin Lulu. Oula! Ce Jin Lulu qui ont bientôt 40 CS de retard déjà. Et pourtant ils jouent pas mal, hein. C'est ça qui est horrible, c'est que c'est le match-up. Ils sont vraiment derrière parce que le match-up l'a voulu. Là. Ils ont réussi même à prendre quelques kills en early game, ce qui ne veut absolument jamais arriver. Prendre des mercures d'ailleurs. Ouais, 30 CS, c'est vraiment juste le match-up. Donc vraiment, le Jin Lulu qui ne joue pas mal. Je pense que c'est ça qu'il faut relever quand il est dans le chat. Je suspecte un ultimate bravery. Ah, il y a les coups durs pour les joueurs. D'ailleurs, le Drake qui est en train d'être joué, côté bleu. Ouais, ah, tiens, on dit de sortir le micro de ton Yonf dans le chat. Ah, super ambiance. Non, comment ça? Je pense que c'est. Il a quand même précisé. Si je lis seulement. Bon, j'ai pas envie de lire son pseudo, c'est bien trop long. Si c'est Kova, il se cancerlo. Mais c'est Kova, il est carrément dans la game. Ah, c'est Vianney. Bah écoute, il a un crit fixe après, pour moi je me sens pas concerné. Attention pour l'ulti de la Leona, c'est cleanse, tout va bien. Ah mais t'imagines. Est-ce que tout va bien pour l'ulti? Ah, ils ne peuvent absolument rien faire, même avec ce counter gang du côté du casse, ils ne vont rien pouvoir faire du tout sur ce bot side. C'est énormément pour juste un ulti de Leona. Oh, attention, il flash de Wes qui va peut-être encore une fois un tout petit peu trop loin et qui va offrir la kill à cette équipe. Est-ce qu'on peut pas faire un petit peu plus? Il n'a juste rien. Il est pauvre. C'est trop grave. C'est compliqué aux dégâts de ce Jin qui a pris des mercures. Oui, aussi. Assez injustement, à mon humble avis, car mercure plus cleanse. Ouais, mais là, il se faisait peut-être un petit peu trop harcelé, j'ai l'impression. Là, c'est un peu compliqué pour lui. Non, vous êtes méchants, hein, chat. Vous êtes des bitures. Il a une game assez dure. Il a raté deux balles sur sourire. C'est on pick up Snook. Respecte les joueurs, bien évidemment. Alors que nous-mêmes, il y a 5 minutes, on se disait que le Renekton et le Kha'Zix se foutaient de notre gueule. Oh bro, j'ai tiré Lissel, vous êtes trop méchants. Il n'y a pas à être méchant comme ça. Et ça, ça a fan du joueur. Non, le pauvre. Il a une game compliquée, je sais même pas quand. Est-ce qu'on peut regarder quand est-ce qu'on le reverra jouer, le pauvre? J'espère qu'il a des matchs un petit peu mieux. Je peux pas regarder le planning. Parce que je peux regarder ça pour toi si tu me fais le cast en attendant. Oh, t'inquiète pas, je m'en occupe. Rapporte-moi ces précieuses informations. Non mais regarde ça. Qu'est-ce qui se passe au bot? Bon, la Lulu par contre. Un match-up qui m'a l'air négatif. On va pouvoir prendre ce kill en 1v1 et attention, le Jax qui va pouvoir tomber sous cette misfortune. Excellente opération et très bonne PP de la part du Jax. Excellente opération. Ah ouais, ça fait pas d'erreur du côté du Jax pour l'instant, ça joue très très bien. Ça fait beaucoup de gold. Et il est là pour sauver son équipe sur tous les points. Attention à ce Jax dans cette transition de dégâts. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Est-ce qu'il peut tomber sur ce Nocturne? Non. On va pas lui laisser l'opportunité. Antoine 8x. Antoine 8 fois. C'est pas lequel des deux. On va pas lui laisser l'opportunité de jump in. On va pouvoir contester cette pink ward.
dans l'arrivée en bot side. Ce Jax, il y a une avance confortable. Est-ce que tu as une petite insight sur l'état de la game? Est-ce que tu penses que cette Miss Fortune peut 1v9 la game en l'état? En l'état, ça me semble fort possible, parce que ulti de Leona plus ulti de Nocturne, ça peut très vite créer une confusion générale chez les rouges. C'est bien vrai ça. C'est un combo qui peut marcher très très bien en tandem. Et cette Leona qui s'envole peut-être un petit peu seule, on est encore un peu loin. L'ulti de Nocturne ici qui se trouve directement sur le Jhin, c'est du cyberharcèlement, c'est exactement ça ce que vous êtes en train de regarder. Attention Jhin, va-t-il le faire? C'est touché. Oh, il va prendre le kill! Alors, les rageux! Alors, ça fait aussi l'opération de Jhin! Non, il tire raté du côté de MF. Et il tire raté du côté de MF. Oh là là, mais moi je suis clairement reptile. On a visible, on le flash in! Oh, c'est bien joué de la part de Vladimir de Racer. Ce flash in, ça a failli passer! Aïe aïe aïe! Quel dommage. C'était bien joué du côté du Vladimir, il a manqué juste un tout petit peu de dégâts. Alors, attends, qu'est-ce que je suis en train de lire là? Jax, top 187 et UW. Qu'est-ce qu'on m'annonce là? Comment ça? Qu'est-ce qu'on m'annonce ce que le nounours là? J'ai l'impression que oui, Moonset se fait absolument oblitérer la gueule là dans ce qui est en train de se passer. Alors oui, on peut oblitérer la gueule, mais on est en effet top 10 000 Europe de l'Ouest. Donc top 10 000 ou top 187? Ah non, top 187 UW, Jax. Je pense que c'est ça qui. Jax. Oui, d'accord. D'accord. Monsieur est Arménie là, oui, Jax. J'ai cru que c'était top 187 UW, j'étais là. On est un peu en promo pour les masters. Hein. Promo pour les. Bon, ça va, si c'est promo master, ça va. J'ai eu peur que ce soit Challenger 1400 LP. Là. Selon LOLGraph. Et ben cool, en vrai, ça c'est très bon à savoir de savoir qu'on a au moins un pilier comme ça dans l'équipe, voire mieux. Et on réussit à avoir. Les gens dans le chat qui font mieux notre taf. Non, bah, en vrai, nous on n'est pas là pour aller chercher les infos sur Google Chrome. Hein. On est là pour casser League of Legends. C'est eux, ils ont un double écran pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est tellement tellement double écran. Moi, genre, j'ai mon triple écran, mais je suis occupé à regarder League of Legends. C'était juste une excuse. Ok. Vas-y. Mais t'as qu'un écran, Cross. Ouais, j'ai qu'un écran. Bah, en fait, il y en a un souvent. C'est League of Legends, c'est fou. Attends, on va parler de la game. Cette opération Audrey qui peut s'avérer catastrophique pour une des deux équipes. Le Jax qui semble en difficulté. Le Swain qui rentre dedans, c'est terrible. Il n'y a aucune difficulté pour ce Jax, il les découpe comme une bonne viande bien tendre. Un bon boucher. Ah, il en fait des tranches. C'est très grave ce qu'il vient de nous faire dans le fight le Jax. C'est bonne opération des rouges. Ulti de Jax plus l'ulti de Lulu avec le Swain aussi qui. Ça fait beaucoup d'HP chez les rouges. Et là ça a été compliqué ce teamfight, on a peut-être un petit peu destiné ce Jax qui devait être en 3-1-2. 130 CS. Et il fait très très mal sur ce fight parce qu'on réussit quand même à récupérer ce deck, mais à quel prix? T4 kills, c'est une tour, une infernide, une charge sur la T2. Ça coûte très très cher ce fight. À l'équipe bleue. En effet, très cher. Et Penny qui avait dit apparemment avant le match, je vais exploser Kova ce soir. Alors. Famous last words. Alors. Moi je suis pour l'équipe rouge, je l'ai dit depuis le début. Je l'ai dit depuis le début que je suis team Jhin parce qu'il a été dans une position inconfortable et qu'il mérite de gagner cette game. À partir de là. Je sais pas si toi si t'as plus un petit peu. Attends, parce que le Jax qui ne se sent plus. Terminé. Le Jax. La MF peut-être. Ah non, le stun. Petite claque vide HP, c'est cadeau. C'est pour vous. Mon petit gars, il a un lampadaire dans les mains. Ah, il a un lampadaire. Ça change tout. Yus qui dit par contre drôle de synergie de Jhin. Ce sont les personnes qui ont fait les coups. Bah oui. Effectivement, on a pu le voir. Vraiment dommage pour cette MF, je trouve. Bah, c'est vrai qu'elle était bien dans la game, mais à un moment, ils ont essayé de dive pot. Et il y a eu un TP Jax, et depuis, il est en 8000-0. C'est un collector un peu sus aussi, à mon avis, hein, côté MF, qui est en train d'être build. Oh là, le collector suspect. Bah, en vrai, ils pourront tuer Jhin Lulu en boucle.
Ils pourront tuer Jin Lee en boucle, mais ça s'arrête là. Exact. Peut-être Kha'Zix aussi, parce que Conqueror plus létalité, j'y crois pas trop, mais voilà. Tu penses qu'il aurait dû faire quoi à la place de son collecteur du coup, toi? Ça serait un LDR, parce qu'il y a quand même beaucoup d'HP en face. Donc Lord Dominic Yard, ou Lord Dominic Trigard, je sais plus dans quel sens il est le S. mais ouais, pour pouvoir un peu shred ce Jax, quoi. Ce Jax qui a fait zéro d'armor, mais okay. Et on ramène bien sur son ulti, et c'est tout. Bon, il peut avoir énormément d'armes. Oh, attention le Swain. Y'a pas de stopwatch côté Swain, c'est fini. Mais je pense que même avec la stopwatch ici, il avait pas de flash, c'était terminé. Le mauvais step ici qui va donner un petit peu une bouffée d'air frais. Et peut-être une voie d'accession au niveau de ce baron d'achat, il y a extrêmement peu de chances qu'il le fasse on spawn. Mais c'est toujours plus rassurant d'avoir le contrôle autour de ce objectif quand on a 7k gold de retard à 20 minutes. Ça va au moins donner une tour, j'imagine. Même ouais, si le Jax est en free push en mid. Ouais, avec le Jin et la Lulu, je suis pas certain de la décision. J'ai des flashbacks des worlds. J'ai des flashbacks des worlds. Le Vladimir qui va se faire catch, attention, le Jax. Vladimir qui chill. Attention, Jax qui devrait pouvoir tuer absolument tout le monde dans ce fight normalement. Peut-être Jax qui tombe un petit peu en difficulté quand même. Il va trouver la MF. Le Nocturne. C'est difficulté facile. Et ouais, c'est terminé. La difficulté est partie, ma foi. 10-1-3 ce Jax. Prenons les paris maintenant entre Touaz et moi. Le score final du Jax à la fin de la game. Allez, on va monter à 20, on va essayer. Est-ce que tu penses qu'il fait 20-1-3? Alors on peut essayer. Ok, moi je propose, au moins on parie sur le nombre de kills et de morts. Moi je gagne. Allez, moi j'y crois au 22. 22? Non, moi je pense qu'ils finiront la game avant ça s'il est aussi faible. Donc moi je dis, il finit en 15-1. Moi il meurt pas, pour moi il meurt pas. Il peut ne pas mourir en effet. Dans 5 kills la game est finie. C'est ma théorie. Jax égale 369. Non, c'est Zeus, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir, absolument rien à voir pour le coup. Plus cœur gelé qui vient d'être acheté. Oh la flemme. Ça va être très très compliqué de tomber ce Jax pour la MF. Imagine être nocturne. Oh la flemme. Attention Kova ici qui se fait attraper par l'équipe bleue. Il est couvert de son deal et de sa Lulu, mais il... Attends. Attention, il est en train de faire le Jin aussi avec le team et on y retourne, est-ce que c'est un peu trop beau? Oh là, le Jin, il est en train de les exploser. Magistral, Jin. Ça me paraît un peu complexe, le Jax, il va pouvoir prendre un kill. On se rapproche de nos deux scores pour l'instant. Et c'est le premier Drake pour l'équipe rouge qui va être récupéré. C'est free Drake. C'est free. Et ils ont déjà ce Nashor sous les pattes. Est-ce qu'on n'est pas en bonne place pour juste finir la game là tout de suite? Avec ce Jax. Un team fight, mais ça me semble fini. Hein. Ça semble un peu dans l'esprit terminé. Ah. Fait. J'arrive quoi, ok, tout va bien. Pour le flash-in de cette Leona ici, on va essayer de prendre un gros trade sur la Lulu. On va pouvoir y aller du côté de Shen. Premier kill, deuxième peut-être si on récupère le E sur cette Leona, ce sera trop tard. Une qui est trop rapide, ma foi, avec ce RFC build en second. Il peut s'enfuir comme il veut et puis il est aussi un petit peu trop résistant au stun. Enfin ça c'est Merc qui va trop faire un petit peu n'importe quoi du côté de Nocturne ici. Nocturne qui lutte un petit peu. Oui. Il n'a pas encore. Enfin il n'a pas de dégâts, hein. J'ai même plus de long item. Oh là là. C'est même plus. Stridebreaker. Ouais, Stridebreaker. Juste Stridebreaker sur son Nocturne, alors c'est cool pour les teamfights. Ça s'arrête là. Ouais, c'est à peu près tout. Parce qu'il joue pas mid. Je pense que c'est plus un build de Nocturne mid. Mais du coup, il ne one-shot pas. Il fait pas trop de dégâts. Mais en même temps, j'avoue qu'il aurait pas pu one-shot grand monde dans la game. Donc le build n'est pas déconnant. D'ailleurs, merci au mode spectateur de ne pas nous montrer les runes des personnages quand ils sont morts. Ça. Ne pas nous montrer les personnages. Qu'est-ce que tu vois? Il y a eu un bug du mode spectateur, je pense. Ah j'ai pas vu, écoute. J'avais même pas soulevé. Genre j'étais en train d'essayer de regarder les runes du Nocturne, mais il était mort, il y avait pas la rune.
Tu as l'œil visé, mon ami. OBLM Bobby avec les drapeaux. Normalement, les émotes. Alors, comment ça marche, les émotes, Maxime, que tu me rappelles? Il faut les acheter, c'est ça, avec des points de chaîne. Ça coûte genre à peu près 1 000 points de chaîne. Alors, abonne-toi. Ah oui, non, pardon, on peut pas faire ça, vous êtes obligé de vous sub. Je suis désolé. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est seulement le sub pour avoir les émotes. On a fait points de chaîne. Bon, attention sur ce Jax, ici, on va se faire tomber dessus. On va essayer de trouver l'opération sur ce Jax. Et on est en train de ramener toute l'équipe parce que Jax est en train de faire une situation. Il n'y a plus personne pour l'atteindre. On peut faire quelque chose, on va réussir à laisser un maximum d'HP sur ce Gaz X, mais on se fait oblitérer par ce Swain dans la mêlée. Est-ce qu'on peut faire ce Swain qui a énormément d'HP. Le HP Jin qui va réussir à clear. Swain est mort, c'est peut-être pas terminé. On a que des joueurs qui ne valent pratiquement rien à ton fond quand même. Le Jin, son flash in, va pouvoir prendre ce kill. Et ça me paraît quand même être une game. Ça paraît être une fin de game. Ça paraît être compliqué de tenir ça à Zleona. Et ça conclut cette game où deux équipes, j'ai l'impression que ça s'est un peu envoyé des choses à la face, on avait des choses à trouver. Mais au final, Jax a gagné. Jax a gagné par lui-même et je gagne mon pari de mort. Attends, peut-être ce n'est pas fini. Oui, mais je suis plus proche du monde. Ah, excuse-moi. Et on recule. On recule. C'est pas terminé. Peut-être parler un petit peu trop vite. Bon, match qu'il avait bien call, hein. Ça va être un peu short pour finir. On s'y croyait, des gens en post-game lobby en train de voir une vidéo. Ce sera pas le cas. On va dire que j'ai pas les timings de Drake et Nashor, mon gros Max. Ils sont en bas à droite. Au-dessus de la map. Je peux pas les mettre en haut, comme je sais. Ouais. À la prochaine. Nickel. Juste mettre les timings des Drake et des trucs là. En haut à gauche. En haut à gauche. Okay. J'aime pas qu'ils soient en bas à droite. Ça me dérange. Mais bref, alors du coup on est reparti sur une phase de jeu un peu creuse. On a ce Nashor qui spawn dans 50 secondes. Le Drake dans une minute, le Drake risque de pas être énormément contesté vu l'état de la game. Je pense que tout le monde a la flemme d'arriver jusqu'à la full point, sinon la game va durer jusqu'à 50 minutes. Là tout va se jouer sur un playonnage, je pense. Ouais. Alors tout va jouer. Non, si c'est gagné par l'équipe bleue, il gagne du temps et il gagne énormément d'argent. Mais en l'occurrence, si c'est les rouges qui gagnent ce fight, aïe. Parce que c'est immédiatement terminé. On va voir, on prend la position au niveau de ce Nashor du côté de l'équipe bleue. Double power spike du côté des ADC d'ailleurs. Et on a double E des deux côtés. Ouais. C'est bien eu et le seul team qui est beaucoup trop avancé. Qui risque de pas servir à grand chose si on se fait attraper comme ça, extrêmement bonne opération. Mais la TP du Jax, la TP qui a été immédiatement, on va pouvoir tomber sur Shelby qui se fait immédiatement abattre et ça sent déjà la fin de game là-dessus sur ce play. Antoine Lutix qui va mourir, Wals qui est à 2 HP qui va devoir donner sa vie là-dessus. Ils sont plus que 2 du côté de l'équipe bleue. On est en 4v2, on va se faire tomber dessus du côté de Dreadless avec son Vladimir. On va pouvoir pull, mais c'est sûrement terminé le flash out et le Nimbus Club qui va le ramener en sécurité. Mais sûrement terminé. N'est pas en sécurité, il risque de tomber dans les prochaines secondes. Ce réel pour qu'il se fait balader. Et là, il y a Jax. Mais ça suffira pas. Jax qui va venir terminer ce Nexus et qui va donner la première game, la game, à l'équipe rouge. Jax, en effet. Une belle performance aussi à ce Kha'Zix qui en doutait un petit peu au début de la game. Qui n'est pas mort une seule fois. Ce build Conqueror. Conqueror létalité. Qui nous avait surpris. Ghost Conqueror. Il était spécial son mec, mais ça a bien marché. Je sais pas s'il a eu l'impact qu'aurait eu un Kha'Zix full létalité en solo queue quoi. Mais c'est pas de la solo. Donc là-dessus, il nous a encore. C'est encore lui le bon joueur quoi. On va dire que c'est encore lui le joueur professionnel et nous on est juste des casters pour une raison. Exactement, nous on est gold. On a même pas essayé de faire les trials parce qu'on savait que c'était déjà perdu. C'est pas grave. Et on sait pas jouer avec nos 10 doigts, mais on sait parler dans un micro. Alors c'est suffit largement. Alors petite question. Pendant qu'on a fini cette première game, quel joueur t'a impressionné? Quels sont tes retours? Ce Jax, hein, forcément. C'est Jax, c'est difficile de passer à côté.
Très belle performance du Swain aussi, je trouve, qui a réussi à bien snowball en early, à pouvoir stacker ses HP tout de suite et devenir une sorte de grosse masse graisseuse. assez difficile à tomber, ma foi, avec le slow, le burn, c'est très chiant à tomber un Swain comme ça. Et sinon, même dans l'équipe qui a perdu, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont essayé de sortir la tête de l'eau, qui ont essayé de finir le bateau? Moi, je pense que cette Leona et cette MF ont fait un bon job en début de partie, même à la Leona qui a essayé de trouver des choses en mid-game. La Leona a essayé de trouver des choses en mid-game. Moi, je trouve qu'il y a eu quelques glissades en early game du côté de cette Miss Fortune Leona. Et ils avaient un match-up qui était hyper avantageux. Donc après, c'est vrai que c'est t'as beau avoir un match-up avantageux. Prendre 50 CS sur la DC en face en early game, c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc là-dessus, il y a eu un bon boulot. Après, du côté de Mixed, le Jax incident. Ouais, il s'est fait Jax incident. Dans la jungle, le Nocturne n'était pas horrible. Je trouve qu'il a fait quelques mauvais. Il a bien fait sur son strong side, sur sa bot lane. C'était intéressant à voir la manière dont il a été joué cette game. Et sinon, le match-up mid lane, à part West Swing qui est devenu assez big assez rapidement, le Vlad a fait quelques bons plays, mais c'est vrai qu'il n'a pas réussi à trouver énormément. Il manque de réussite du côté du Vlad, je pense. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'inspiration sur certains plays et ça n'a pas suffi. Et je pense qu'on a fait le tour. On a dû faire le tour. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour au niveau de cette game, donc je ne sais pas, il est quelle heure? Il est 21h10. Maxime, tu penses qu'on commence la prochaine game à quelle heure? Bah on va rester, je sais pas, on va peut-être prendre une petite pause. On reste en contact. Ouais, une petite pause de 5-10 minutes. Parce que t'en penses, mon bro Chris? Bah écoute, moi ça me va bien. Pause tranquille, on va se réparer la voix, on va se remettre de nos émotions. On va revenir d'ici. Un petit coca, bien sûr. Voilà, petit coca. Moi j'ai absolument rien à boire, perso, donc je vais devoir aller chercher. Mais on se retrouve, ouais, d'ici. Allez, on va dire 10 petites minutes, donc je dirais 20, on sera sûrement en retard comme d'hab, mais je dis 20, espoir de pas être en retard, genre un peu le début de la game. Le début de la game dans 5-10 minutes, bah, je propose qu'on prenne une petite pause de 10 minutes, histoire qu'on n'ait pas trop à s'en adresser. Comme ça. Allez, 10 minutes, c'est acté. Donc on se retrouve, bisous tout le monde, à tout à l'heure. To stay.
Et on est de retour pour cette deuxième game de tryout de la PofiSEM 2022-2023. Je suis toujours avec Chris, mon beau Chris, t'es toujours là. Là, oui. Toujours là, Chris, pour son premier cas. Toujours là, toujours là. Ça a bien passé ton premier cas, dis donc. T'as été un petit peu merci, mais vas-y, on est là. Hein. Mais c'est le bordel, mais c'est absolument pas de ta faute, hein. C'est surtout de la mienne. Donc, normal. C'est juste que c'est mon premier stream de la saison, moi c'est pareil. Je suis excité, j'ai envie de jouer à League of Legends, enfin, je regarde les League of Legends, de voir des gens que je veux, tu sais, genre des gens que je peux croiser dans des villes là, et que je leur dis sur un stream parce qu'il y a un écran interposé qui pue la merde dans un jeu vidéo. Ça, c'est vraiment ma cam. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais pouvoir dire à un de mes amis que je peux croiser IRL pue la merde dans un jeu vidéo. Salut Shelby, comment ça va? Bah, salut, ça va très bien toi. Bah, et toi. Super bien. Transition, merci, ça fait chaud au cœur ton message. Shelby, tu jouais la game juste avant. Tu jouais donc ton pseudo dans in-game, c'est la mer à wax. Et il se trouve que tu as perdu. Est-ce que c'est de ta faute? Bah, c'est catastrophique. Bah, écoute, c'est avant tout un jeu d'équipe. Hein, donc, finalement, si on a perdu, c'est parce qu'on a pas bien joué en team. Non, en vrai, vrai de vrai, il y avait un plan de jeu. Et vraiment, minute 2, c'est parti en cacahuète. Ouais. Genre, ah bah, il y a rien qui a été. Rien n'a été suivi. C'était full beau jeu. Tout le monde un peu dans son coin, mais c'est aussi comme ça les recrutements. C'est, Tu vas pas pouvoir nous en dire plus sur ce plan, je veux pas raison. Ah, c'est le top secret. Ah, il n'a pas été appliqué, donc vous le verrez peut-être dans une autre game. J'aimerais pas révéler mon. Ok, je vois. Plan de jeu à tout le monde. Très bien, on n'en saura pas plus. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu? C'est qui t'a impressionné dans la game? Impressionné. Qui a été le MVP de la game à l'instant? Est-ce que la question se pose? Est-ce que la question on veut l'entendre de ta bouche, tu sais, c'est intéressant de le savoir. Il y a eu un petit frérot Jax qui a retourné la partie. Ça aide, on sait un petit peu qui a énormément brillé et qui a un petit peu, tu sais, le secret MVP dans la game, tu sais. Je vois pas. On a pas forcément vu Shine. Ah, on a pas vu Shine, mais qui était pas mauvais. Voilà. Attends, laisse-moi regarder les gens dans la game. Bon, 5 minutes encore de Basket 59. Dédicace pour Timéo. Dédicace au frérot Kova qui a pas trop mal performé avec son swing mid. Ouais. C'est vrai que apparemment on a pu lire quelque part dans les journaux, dans la presse, que tu avais eu des paroles un peu disgracieuses envers Monsieur Kova avant le début de la game. Bah, c'est un frérot quoi. Voilà, je me devais d'essayer de le ratio, mais ça a pas été possible cette fois-ci. Mais on te fait un ratio. Alors par contre, j'observe un mouvement de foule dans le chat. Il y a un certain Timéo qui va jouer la game qui a l'air d'être... Ah, mais oui, on le connaît bien, Timéo. Alors, Timéo, si je ne me trompe pas, c'est qui? C'est Rillibat, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, Rillibat qui, si je me rappelle bien, tu me dis si je me trompe encore une fois, qui jouait en AK l'année dernière. Oui, tout à fait, il a joué au mid. Et qui donc maintenant espère aller toucher de plus haut plafond. Oui. Ok, donc on a les ultra Timéo dans le chat. On espère qu'ils seront chauds pour choper leur poulain. Il va jouer contre Kova cette game. Ton avis sur ce match-up, qui remporte? Je connais pas trop les deux gameplays, mais je sais que Kova est peut-être plus joueur safe, alors que Timéo, je dirais qu'il est plus Sardoche-like, peut-être un petit peu. Genre, j'ai fait quelques games contre lui, et effectivement, ça a lâché des petits dodges, tu vois, ça a lâché des petits scripts, mais je pense que Kova peut-être être meilleur pour jouer en team. On verra bien ce que ça va donner. Mais ça devrait être un match-up assez intéressant parce que je pense qu'ils ont à peu près le même niveau. Ok. Et comment dire, est-ce que... Tiens, en parlant de toi du coup maintenant, à quel point t'es confiant dans ton recrutement? Est-ce que tu penses que tu vas le faire en équipe? Est-ce que tu penses que tu vas rater cette saison? Moi c'est pas ça le but du tout. Hein. Le but c'est de m'amuser et de voir... devoir progresser, hein. Le but c'est pas d'arriver. C'est pas d'arriver forcément en équipe. Voilà. Donc t'as décidé d'être humble. On verra bien là. Il me reste. J'ai fait une game, il m'en reste deux. Et voilà. Là je pense que j'ai donné à peu près le meilleur de moi-même, même si ma game était très loin d'être parfaite. Pardon. Il y a eu des dunks de fait, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Je sais très bien que le staff me connaît. Le staff te connaît, le staff sait de quoi tu es capable. À voir s'il n'y a pas des gens qui sont capables de plus que toi. C'est exactement ça qu'on veut voir. Tout à fait, et je serais très surpris de voir ça, j'aimerais bien.
ce serait cool. Mais c'est chiant de gagner un moment, tu vois. Non, je si de dire que tu gagnes pas, ça veut dire qu'il y a un mec qui est quand même meilleur que toi encore dans l'équipe, tu vois. Et ça, c'est rassurant, ça. Parce qu'on connaît ton niveau, on connaît ton talent. Et donc, ce serait sublime. Bah, merci, Adri, pour ces quelques mots. Bah, de rien. J'espère pouvoir repasser bientôt. On a parlé du match-up mid qui gagne la prochaine game. Là, on fait juste avoir un petit bet, là. Allez, soit sale et soit méchant. Let's... Ah, bah il est parti dormir. Je peux juste dire que t'as pas envie de répondre, man. Non, mais... Franchement, j'ai pas d'avis. Non, mais moi, j'ai parlé à Adri. Ah, si tu me parlais à moi, mais je croyais que tu parlais à Adri. Pardon. Alors là, la game... Je peux vous appeler à tous les deux, de toute façon. Alors là, juste tilt Red ou Blue. La game, c'est l'équipe... Ah, c'est compliqué. Hein. Allez, c'est l'équipe Red. C'est l'équipe Red 5 qui gagne, ouais. Très bien. Et ça fera un sub, bien sûr, si tu te trompes. On l'oublie pas. C'est d'accord. Un sub obligatoire. Sinon, moi, je sais pas. Après, j'ai juste... J'ai même pas regardé la draft. J'ai juste... regardé les pseudo. Ah non, et moi, je parlais Blue Side, tu parles Red Side. Celui qui perd, il met son prime sur le chat. Très bien. Et ben, on se retrouve en fin de game... Pour valider. En fin de game, tu seras là d'ailleurs pour faire le post-game lobby. On verra bien. Avec Dubon, qui en l'appelant en stream, va être obligé de venir maintenant. Ça dépend de mon emploi du temps, mais oui, je pense que tu vas là. Non, moi je te dis que vous y serez. Bon, on est parti dans la draft. Est-ce qu'on peut peut-être montrer la draft? On va pouvoir en parler maintenant qu'elle est en train d'être dévoilée. Et mon prochain avis, on se retrouve tout à l'heure. Alors, mon bon Chris, je reviens vers toi. Parce que c'est toi qui va nous annoncer cette draft. Cette draft, moi je commence toujours par mes protégés, je commence toujours par la botlane. On retrouve une MF Leona, hein, côté red side. Combo qui a bien marché en early tout à l'heure, j'espère qu'on va pouvoir revoir des belles choses. Mm-hmm. En face, on va pas avoir une merde sans nom comme on a eu juste avant. On va avoir un bon Lucian Nami, Lucian plus en center, combo très connu et très très chiant de la botlane. Qui a été nerfé récemment, hein, surtout côté Nami, Nami qui ne proc plus électrocute sur son E. Un match-up qui reste quand même très fort. Qui reste quand même très fort, hein, bien évidemment, mais qui a perdu un petit peu en puissance tout de même. Mais c'est des botlanes qui se répondent. Alors moi je vais juste te couper une seconde, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui a dépensé 100 points de chaîne pour mettre ensemble message en surbrillance. Apparemment on veut Aymeric Nivad au micro à la fin de la game. S'il a envie, s'il est encore chaud à la fin de sa game, s'il a pas trop honte de sa performance juste tôt. Après je vais pas vous annoncer qu'il va venir s'il a vraiment pas envie. Donc je lui proposerai vers la fin de la game. Mais je peux rien promettre. J'espère que ça vous va dans le chat, ne tombez pas dessus. Donc le reste de cette draft, du coup, en mid lane, on est sur un Cassio Akali. Pareil, un match-up qui, je pense, peut s'exprimer assez facilement. Peut-être un peu plus favorable côté Cassio, j'en sais rien, en fait. Mais ça cancel les dash, en effet. En top lane, on va avoir du Horn Fiora. Ici, ça coupe les worlds. Donc ça copie les worlds, et cette fois c'est Moonset qui est du beau côté de son match. En effet. On va voir s'il va pouvoir, aller un petit peu tortiller Bobby, s'il réussit à prendre une bonne, puisqu'on les connaît, hein. On les connaît les matchs Fiora Horn, tu sais, ils sont censés être ultra positifs aux worlds, et puis ils finissent avec une bonne CS et une plaque. C'est pas ce que j'appelle un match-up remporté, quoi. Et en jungle, on finit par un Qiyana Gragas. Okay. Alors Qiyana jungle, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu ce build. Ça doit être un petit pocket de Antoine qui joue des piques un petit peu... Bon, il se trouve que Nocturne, c'est extrêmement fort en compétitif. Qiyana, ça l'a été un moment, mais je sais pas trop l'état du champion actuel. Je sais pas si toi, tu l'as. Je l'ai pas non plus, mais moi, je sais pas si Qiyana jungle est un bon pick. Ça me semble un petit peu compliqué de clear. Après, j'ai peut-être tort, mais... Ouais. Ça risque d'être un peu dur. Après, ça reste quand même un jungler, ça ne doit pas non plus être trop facile. Il devrait pouvoir s'en sortir, mais c'est peut-être un peu plus long que Gragas. Ça sera un peu plus long que Gragas, je pense, en effet. Et ouais, donc, on a ce match-up mid. On avait dit, donc, Adri qui avait parié sur
Ah non, il avait dit que c'était even. Il avait dit que c'était even au mid. Est-ce que ça va quand même être even quand le match-up c'est Cassio ou Akali? C'est even, après on peut avoir une surprise, je pense. On pourrait avoir des petits solos qui partent à droite à gauche, je pense. Je pense. Ouais. Ouais, sur cette botlane, tiens, on va revenir sur la botlane, pour l'expert de la botlane. Je pense que le match-up Lucian Nami face à Miss Fortune Leona veut que Lucian Nami ait peut-être un petit peu plus d'avantage sur ses early games, mais attention. Moi, exactement. Je vois un gros attention. Moi, je vois un gros attention sur le Tide Leona. Gros attention sur le Tide Leona et surtout sur le Porte Gragas. Il va falloir traquer ce Gragas parce qu'à la seconde où il est là, cet avantage peut vite se transformer en déroute. J'espère avoir une chaîne sur Lucian. Ah, il faut. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, il faut. Ce serait vraiment du méga trolling de Papy Claclens. Et après, par contre, cette Miss Fortune qui, elle, devrait pouvoir se payer le luxe de prendre quel. Ça prend un bon heal pour être bien tranquille. Moi, je pense qu'on a deux compos très intéressantes. Hein. Une qui est quand même côté red side très centrée mid-game. Ouais. Alors que la blue side, on va pouvoir peut-être faire des choses en early, peut-être des choses en late. Effectivement, avec cette Cassio notamment qui va pouvoir un petit peu de se prendre toutes les ressources et puis scale avec ce horn qui va pouvoir lui donner des items améliorés. Je pense que le scaling est plus à gauche, donc il va falloir essayer de bouger les fesses sur le mid-game. Mais attention au mid-game en effet. Après, c'est une team qui scale, mais attention parce qu'il y a quand même une sur-rampe. Et le plus fort du scaling, c'est quand même le side lane, c'est quand même le split push. Donc peut-être. Après, je suis pas sûr que cette Akali en late game puisse tenir grand monde sur un side, donc pas de 1-3 impossible, je pense. On verra s'ils arrivent à mettre au moins un 4-1 en place pour pouvoir aller emballer la game si jamais ils prennent un peu le temps. On va pouvoir partir. On est à 0 secondes du délai et on va pouvoir commencer cette petite game. On est bien plus calme que tout à l'heure quand même, là on kill. Bien plus calme, on kill. Ouais, on est carrément. Moi, je suis au fond de mon fauteuil là, je vais regarder du League of Legends affalé, avachi. Je suis en légende. Oh, et attention, on a deux beats pour une interview de I'm Really Bad. Ça va bien. Vous savez quoi? Allez, je ferai tout pour essayer d'avoir I'm Really Bad. Même s'il veut pas, je le forcerai. Et encore plus s'il a gagné. En vrai, s'il a gagné. Attends, j'ai voté pour I'm Really Bad, moi. J'ai voté pour le Blue Side. Ça veut dire que je suis pour sa victoire. Ça veut dire que je gagnerai 5 balles tout spam payées par Adrien. Et que en plus, je ramènerai I'm Really Bad. What the fuck? Mon PBP, il est biais, il est biased, what the fuck. Quoi? Mon play, what the fuck. Il est biased, je suis pas biased, j'ai juste plus envie qu'une équipe gagne que l'autre, ça n'a rien à voir. Ah ouais, logique. Comment ça? Non, je me resterai à moitié impartial. Durant une majorité de la game. Alors, il va falloir lancer cette game. Et il va falloir charger vraiment, il va falloir acheter un meilleur PC à notre régie. Oh non, on a droit à l'enfer. Non, ça veut dire que c'est pas à cause de la régie. On a ce fameux écran noir au début de la game, ça veut dire que nous on a chargé, mais que les joueurs à ce moment-là ils n'avaient pas chargé. C'est-à-dire, c'est comme si on attendait encore dans les 3 minutes. Et puis à un moment ça va débarrer, donc on peut voir. Alors on peut voir déjà un point qu'on a oublié de faire, c'est faire un point rune. On a oublié de regarder rune et summoners, donc on a bien cette cleanse qui a été prise. On a la cleanse qui est prise du côté de la Miss Fortune aussi. Assez étonnant, c'est une amie. Hein. Ah, y a une amie, donc ça soulève quoi, ça monte le horn aussi. Donc c'est ça, on cleanse pas une amie hein, malheureusement. Ouais, on cleanse pas une amie, et puis bon, on cleanse pas là, les trois quarts des CC de horn. Ah, c'est compliqué de cleanse une Cassio parce que même si tu cleanse, tu te retrouves dans les liasmes, tu te retrouves dans tout. C'est compliqué. Peut-être encore le Tikiana. Qu'est-ce qu'on peut cleanse finalement on peut cleanse le Tikiana et encore il bump aussi. On peut cleanse le Q Water de Kiana. Ouais, et puis en plus, Miss Fortune, une fois qu'elle est bump, son teamfight est fini. Cassio. On va pas lancer tous nos bumps une fois attendu que Miss Fortune n'a pas lancé l'ulti. C'est centrique hein, maintenant que je regarde côté Blue Side. Et donc, ils n'ont pas fait un niveau 1, ils ont tenté d'aller invade au niveau de ce tripush bot side et on va pouvoir aller prendre l'info au niveau de ce top side du côté de l'équipe bleue. La ward qui a été positionnée par la canard. C'est bien joué, on a des bons fondamentaux.
On sait quoi faire en panique. Ce que j'aime bien remarquer aussi, c'est le... C'est l'exos de la Cassiopeia. Oh oui, et peut-être si on pouvait organiser aussi nos champions, nos joueurs dans le tab. Attends, tu sûr qu'on voit bien le match. C'est parfait, c'est parfait. Absolument insane, tout le travail que tu réalises, Max. On kiffe, man. Il nous manque juste un petit peu d'applaudissement pour la régie, bien sûr. Ouais, un petit, ouais, moi j'applaudis. Déjà, j'applaudis. Non, mais en vrai, non, on va pas applaudir la régie maintenant. Il nous manque encore notre studio avec les caméras et les fonds verts. Donc, moi, je peux pas applaudir la régie tant qu'on a pas une régie en live. En vrai, ratio la régie. Dans les Apophysen Studios. Et donc, on a pull, on a Lich. On a Lich du côté des deux botlane. Et on a deux stars qui vont monter vers ce topside. Alors c'est peut-être à l'avantage de Zvagas qui a envie de monter vers ce botside alors que Sakana a plutôt envie de descendre. On est peut-être là pour défendre les premiers accrochages sur ce topside. J'aurais pas vu un full clear côté Qiyana, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle part sur un full clear là-dessus, c'est... Je sais pas trop, j'avoue que Qiyana jungle, j'ai pas trop d'idées de comment ça passe et de comment... Moi, de jouer son matchup, je pense que c'est... Je sais pas, ça me paraît pas déconnant non plus de hard full clear pour essayer d'avoir les rapidement. C'est vrai que ça parle de dingue. Attention, on a récupéré le niveau 2 ici de Tyrion qui se fait attraper. On va pouvoir mettre une bonne moitié de barre d'HP de dégâts. Et ce sera répondu légèrement par ce Lucian. Non, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'on n'ait pas essayé de focus le Lucian qui commence avec une longue sword. C'est vrai qu'il a une longue sword, le Lucian. On va peut-être manquer un petit peu de sustain sur la lane. Et il faut le voir, ça. Parce que ça. C'est pas forcément le genre de choses auxquelles on s'attend. C'est le genre de choses qu'on peut facilement attendre sur le trade de Kova ici. Il va mettre une bonne claque à la Cassio. Attention, on voit pas ce qui est en train de se passer au mid, mais là, Akali a l'air safe. L'air tranquille là-dessus, elle a pas été inquiétée, on a pu prendre une bonne claque. Et reculer tranquillement. Cassio qui a un léger avantage au CS pour l'instant, on n'a pas l'état de la wave. On sait pas trop comment elle se trouve, et attention, feu Greg à ce niveau du bush topside. Ça push, un côté blue side en plus. On n'a pas attendu le E de Bobby. On n'a pas attendu qu'il commit. Il fallait bien prendre cette action à un moment. Accès refusé. Pourquoi je viens de me faire ban? Ah, j'avais accès refusé au. Non, mais j'ai accès refusé au chat modérateur là, de la chaîne. Mais tout va bien. Je suis de retour. Moonset qui s'y prend ses petits trades. On est even aussi sur ce match pure Horn. Plus de sustain côté Horn. On a encore la potion, on a encore des cookies. Bobby qui veut extrêmement bien sa wave qui bounce là-dessus. On réussit à prendre des bons trades. Et Messe Greg assez en défense. Il lui aurait pas dit attention, extrêmement bien counter par Moonset. Et ça taunt du côté de Bobby. Et ça taunt. Ça lance des champs d'Ultra, j'ai l'impression sur Moonset ici qui va peut-être se faire solo kill sous Zafira. Ce serait une catastrophe et non. Sans froid, on ne va même pas flash out et c'est flashy du côté de ce Horn. Donc l'avantage ici part du côté de Zafira parce qu'elle va pouvoir battre TP. Et ce Horn, il sera sûrement forcé dans les plus brefs délais aussi. Remarque vu la taille de la wave qui passe. De cette Zafira. Qu'est-ce qu'il fait Bobby là-dessus? Est-ce qu'il aurait pas dû prendre son reset un peu plus vite? Monde s'il va pas. Il aurait pas pu garder une TP advantage s'il avait back instantanément. Je pense qu'il peut la garder, hein, Fiora, c'est pas quelque chose qui clear extrêmement vite non plus. Maintenant, est-ce que ça va pas embêter le puffing de la Qiyana? Oh, les Sphincter à Timéo dans le chat, qui sont on fire dans ce match-up horrible, Cassio versus Ato. Et 0-0 dans la game à 4 minutes, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait du gameplay de Fiesta. Mais ça veut dire que ça joue plutôt bien, ouais. Ça veut dire que personne au moins fait l'erreur. On va voir qui sera le premier à en faire une. On va essayer de tenter Slaying Gang du côté de Morvage, ça va être vous. Il le sait, il va clear cette ward et maintenant c'est cette Qiyana qui pourrait se protéger, qui pourrait se projeter sur le top side. Il est en train de clear ses corbins, dommage que ça clear si lentement. C'est une Gregas qui essaye d'utiliser son avantage de clear pour aller chercher un petit peu ses side lane. Des petits avantages en les ultra tigre on fire. Avantage de clear. Quand même un petit retard côté Gregas. Ouais, bah après je pense qu'il a pas clear ses corbins au niveau du top side, il doit être top depuis un bout de temps, mais il est clear plus vite. Oh, attention Morvatch qui va c'est prendre osé, ce qui serait... Oui, c'est osé, attention, il y a la botte lane ici, on va devoir trouver quelque chose pour le sortir de la Leona qui va... Mais la mise fortune fait tout le tour. Attention Morvatch, il va être forcé au flash out, est-ce qu'on n'a pas un flash in pour venir le récupérer, c'est nous. Et Kovac avait fait le déplacement pour envoyer la botte lane
de l'équipe bleue, tout sa tour. C'était osé. Non, est-ce que on est sur une bonne opération? Pas du tout côté red side. Effectivement. Le red side qui essaye de prendre des avantages par son jungler, par l'avantage du clear, mais qui ne s'attrouve pas pour l'instant du côté de ce Gregas. On force peut-être un petit peu trop de play et on commence à prendre du retard. Attention, ici, oh, elle tente, il va essayer d'aller le chercher, il n'y a aucune prio du côté de Morvatch. Pourquoi on cherche à récupérer ça? Il va même se le faire s'il va rien récupérer du tout là-dessus. Et Moonset qui vient prendre son crit, c'est First Blood du côté de cette Kana. Et c'est un peu compliqué de perdre le First Blood à ce Gregas à ce moment de la game. Attention, Moonset ici, Bobby qui a bloqué son jungler. Il va pas pouvoir lui laisser l'opportunité de mettre ce Q. Et donc First Blood du côté de l'équipe bleue, First Blood sur cette Kana qui se met extrêmement bien, qui a maintenant pratiquement 10 CS, qui a 10 CS d'avance, un kill. Et qui va pouvoir dérouler son jeu, on est bientôt au niveau 6. Attention quand même à ce qu'ils pourront effacer. Attention, le flashing ici. Non, pour faire quelque chose, on n'a pas les dégâts, j'ai l'impression qu'on n'a pas les dégâts. Kova, c'est long derrière, on a flashing du côté de Solucian. On a clean seulement, attention, ils vont sûrement tous mourir du côté de l'équipe bleue. C'est extrêmement bien bail. Bien joué. Très beau play du côté de la MF. Flash out au moment parfait. Et on récupère 3 cylindres sur la botlane de l'équipe bleue qu'on a utilisé sur l'équipe rouge. Reste que le flash de cette Nali. Donc extrêmement bonne opération, on sera même plus menacé par des flashs manquants. Et attention, la Cassio ici qui a raté son ulti. Non, elle n'a juste pas ulti. Je veux plus que l'animation, c'était l'animation de son ulti. Mais tout va bien. Tout va bien. Et léger avantage de CS pour Emery Liban ici. C'est 10 CS qu'on retrouve aussi sur cette midlane. Pourtant on est even. Comment peut-on être even? On est even grâce à ce playbot et puis à ce léger avantage de CS au niveau de la top lane. Attention à cette MF Leona qui pourrait s'envoler très vite. Oh bon, le chip. Ça me met extrêmement bien dans le chat, merci pour ça. Il y a deux bougies qui sont venus dans le chat pour la première fois. Ils ont insulté la grosse merde du Jack du Gragas et puis c'est reparti. Ça me met trop bien. Ah ouais, merci à vous. Je sais pas s'il y a que des Isen du coup, je sais pas si t'as ramené des HEI avec toi ou des trucs du genre. Il y a eu des HEI qui sont passés au début du live en effet. Il y a des HEI qui sont passés au début du live. Je sais pas s'ils sont encore là, je crois qu'ils sont encore là, même s'ils écoutent en background. Attention, mais. En tout cas, si vous retenez, allez vous faire poutre amicalement. Et voilà, ça, je suis enculé, j'aurais jamais dû préciser ça. Ici, c'est nos max. Mais au boss. Oh, attention, peut-être ce play. La Miss Fortune, ils sont 3, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre ce play quand même? Attention, Lucian qui va pas réussir à trouver énormément de dégâts sur cette Miss Fortune. On prend la douche du côté de cette Nami, on va devoir quand elle se play. Peine de voir la Nami mourir d'un Q malencontreux. Et il y en a du monde sur le chat ce soir, vous êtes actifs. Je tiens à dire que c'est un HEI qui prend du temps pour vous divertir, vous les buveurs de bière de Lysen. Les fameux buveurs de bière. Enfin, moi je propose un truc les gars, je propose que les gars du chat on passe un deal. Dès que Timéo fait un kill, vous faites un... Oh, mais j'ai tout occupé à faire des conneries, mais pour l'instant la grosse solo kill du hand sur la Fiora, ça devrait pas arriver ça. Ça devrait absolument pas arriver. Et c'est le premier kill du match-up. C'est compliqué de pourrir là-dessus. Et ça fait bien les affaires de l'équipe bleue parce qu'on allait manquer d'une frontline si Bobby s'en sortait pas dans son match-up. Normalement, c'est acté. Il sera là, il sera présent pour ces teamfights. La Kiana qui a déjà son premier item d'ailleurs, hein, que je remarque, qui a pris un Umbral Glaive. Le fameux Build the Graves. Ça, c'est le build que Graves faisait souvent avec le rush de cet item-là. Et c'est compréhensible et en même temps ça me semble pas stupide. Bah je pense que pour tous les junglers qui build de la létalité c'est un bon item dans tous les cas. Niveau utilitaire on fait rarement mieux. Et puis ça donne quand même un petit peu de bons dégâts même si ça retarde le mythique. Et on sait que sur les champions qui build de la létalité comme c'est souvent les premières minutes du jeu sont assez importants. Et apparemment c'est fait, c'est pas moi le professionnel. Agnes be like Queen fake la poking tout seul. Qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui est cool?
Elle vous met extrêmement bien. Oh, attention, ici, ils sont 4 sur ce bot side. Y'a pas de creep là, oui, mais bien trop là, mais on lâche ce flash in ici. C'est extrêmement bien joué du côté du Gragas. Attention, il va sûrement mourir quand même. C'est un kill qui est pris. 2 kills qui sont pris du côté de l'équipe rouge. Est-ce que ça va être avancé? Ici, 2 kills pour 2 kills. C'est un 2 pour 2 sur ce bot side. C'est extrêmement bien joué du côté de l'équipe bleue. Aymeril Bad qui est là pour essayer de maintenir la situation. Mais elle a déjà été maintenue par sa boucle. Attention quand même à pas faire d'erreur là-dessus. Et puis, superbe opération. Côté blue side. Je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux. Mais c'est Amrilibat qui risque de pas être très content au niveau de son match-up à lui. Parce que là, cet Akali elle a 3 kills et maintenant j'ai l'impression que cette canne un peu plus à tomber en allocation pour essayer de quand même réussir à prendre ce kill. Ça va sûrement sauver la canne là-dessus. Okay. Mais. Je pense que, ouais, pour revenir sur la bot lane, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux. Je pense pas que le Lucien pouvait se sauver d'un moyen ou d'un autre. Il y avait trop de monde. Ce suicide était la seule option. Oh, attention sur le top side, on va pas réussir à prendre le kill, mais oui, pour revenir là-dessus. Oh, attention, j'ai même pas le temps de revenir dessus, on est à deux doigts de prendre ce kill qui part, mais qui suffira sûrement pas pour tuer cette Nami. C'est, ça joue aux limites, hein. Ça joue aux limites. J'ai pas l'impression qu'elle est back depuis tout à l'heure. Bah, si elle est morte, la Nami, donc. Ça limite teste beaucoup, bot lane. Ouais, on essaye, hein, cette Leona. J'ai l'impression qu'on a des Leona volantes à chaque game. Oui. Et Leona qui n'hésite pas. Et on y va à fond sur chaque play. Mais j'allais revenir un petit peu sur ce match-up mid. Cassio avait un bon pied dans son match-up avec ses presque 20 CS d'avance. Et le playbot qui donne 3 kills. Attention, je suis en train de parler. Attention, c'est Lucian qui continue de prendre la douche. Il y en a qui va prendre le kill avec son Z. On va pouvoir sûrement tuer cette famille aussi. Elle n'a plus aucun moyen de s'en sortir. Le tout qui va partir. Et attention, quoi, elle va pas mourir là-dessus. CS peut-être. Excuse-moi. Ah. 27 HP sur Leona. 17 HP sur Loda. Un petit test qui fait de la merde sur l'aggro aurait pu changer la donne de ce fight. Oui, exact. On était à. C'était quoi ces 17? C'est les bons. Attention, j'ai même pas le temps d'analyser ces bons. Sur peut-être. Il y a la question qui va sur le stream. Pour le solo kill sur la midlane. C'est la fête, let's go. Aymeribat pour son premier kill dans le match-up avec 3 kills de retard. En 3-0 sur la Kali en face, on se fait solo kill. Oh là, on va aller voir, regarde-le. Regarde bien le chat. Attention le chat. Let's go. Le kill qui est pris. En mode Shogun Tonight, frère, on a deux doigts de lancer de la DevSec. Shogun. Kill. Attends, mais laisse-moi spammer les mots de Shogun Tonight. Je t'en prie, spammer les mots de Shogun Tonight, donc du Shogun Tonight dans le chat. C'est absolument insane. Bon, attention ici, Moonset qui va essayer d'aller prendre son kill pendant que je continue de caster, mettre tes émotes. Et Moonset qui caresse le Horn, il va jamais le tuer. Même Horn pourrait peut-être tourner ce play. Donc on s'est extrêmement bien trouvé le spell ici du côté de Moonset. On essaye d'y aller, mais il n'y a plus de spell. Ce Horn est bien trop tanky, il risque de prendre le solo kill. Morvage qui sera même pas là dedans. On va rater le R, on risque de même pas prendre ce kill sur Bobby. Il est bien trop fait dans son match-up. Morvage, il manque quelques dégâts. Il est assez pris tout de même. Parle un peu trop vite. Et j'ai pas le temps de m'arrêter, c'était tranquille. Oh là là, les choux. Allez, votez, petite ta mère. Je suis désolé, les votez, petite ta mère. Bon, on va peut-être pouvoir avoir le temps de se poser un peu dans la game. Bon, un petit peu où on en est au niveau de l'état de cette game. Attention, la question peut-être. Aymeribat qui fait le mistake, est-ce qu'il peut turn ce fight en V2? On va réussir à stun cet Akali, il se fait stun aussi par la Leona, c'est sûrement terminé pour Aymeribat. Est-ce qu'il va réussir à servir de l'eau? C'est sûr. Attention, peut-être Aymeribat, c'est incroyable, il est en train de réaliser cette midlane. Il est en train de faire l'exploit incroyable qu'il vient de nous réaliser là-dessus. Oh non, là il y a de quoi. Là il y a de quoi spammer le chat pendant une demi-heure. Incroyable ce qu'il vient de nous faire à la limite. Il vient prendre ce W en V2. C'est exceptionnel et il vient de renvoyer son équipe en tête de la game. Ils étaient un tout petit peu derrière et il fait l'exploit, il envoie son équipe en tête, c'est absolument incroyable. Je ne saurais pas dire si le spacing de cette question était parfait ou alors juste que la Akali s'est foutu de notre gueule. Salut pour ce qu'il vient de faire, c'est très possiblement le plus beau play que j'ai jamais vu sur la poussée. C'est insane ce qui vient de se passer là. What the fuck. C'est vrai. Il vient de leur ouvrir la gueule à Aymeribat. Ah, ça fait un statement qu'il vient de nous faire.
statement made. Attention, les points faibles. Ça va peut-être pas suffire parce que c'est trop tanky cette merde, le stun peut-être. Les points faibles, hein, il s'appelle points faibles. On s'en rappelle, hein. Oh, attention, Bobby. Il va le tuer. Cool, Moonset qui prend son solo kill sur cette top lane, enfin. Enfin, il a pas besoin de l'aide de son jungler dans ce match-up pure à Horn. C'est déjà un peu plus rassurant. C'est pas les points faibles, mais on se comprend. C'est des points, ça va là sur le Horn. C'est des points, c'est ok. Quoi, je vois de la les points faibles. Quel solo kill. Mais let's go. Bon, petit point sur rien, petit point général, là, je propose que tu petit point général, bah, on est ouais. Even au gold, hein, écoute. Moi, je pense que l'opération massive, elle était au mid. Et je vais devoir fermer ma gueule, parce qu'évidemment, il se passe des choses en mid-lane. Non, je t'en prie, bah, explique-nous ce qui s'est en train de se passer. C'est pour toi, bon, celui-ci. Ça va bien se passer, on va défendre... on va défendre ce Shelly, sur la mid-tower. Pas réussir, là. En effet, la mid lane qui fait souffler un petit peu le blue side sur ce foutage de gueule de la Akali. C'est un foutage de gueule. On va play. La Akali d'ailleurs qui a un Dark Seal, hein, je tiens à le noter, ça fait un petit moment qu'elle a ce Dark Seal, hein, depuis qu'elle était en 3-0. Ah bah oui, bah c'est vrai qu'en 3-0 c'était intéressant, en 3-2 déjà vachement moins. Peut-être voir le revendre dans les plus brefs délais si on n'arrive pas à trouver la solution. Parce que là, on a quand même 56 sur les Cassio qui ont 2-0-1. Attention, sachant qu'elle va être buff par le Horn en late game, ça va être difficile à tomber. En plus, j'ai l'impression que c'est une grosse assurance, hein, puisque leur botlane n'est pas non plus trop loin derrière. On risque de pouvoir tenir tous ces fights en mid game. Ça a l'air quand même compliqué, hein. Ça a l'air de sentir le cul du côté de l'équipe rouge si jamais ils réussissent pas à prendre les objectifs des plays dans cette game. C'est un claque W côté Fiora. Et on y va, Fiora ici. Est-ce que son W, c'est pas son. Elle a pas de. Non, c'est terminé. C'est terminé. Je cherchais un moyen pour elle de s'en sortir. Elle avait son flash, mais ça ne risque pas. C'était fini. C'était terminé. Est-ce que la game va finalement pas se jouer au spacing de notre cher botlane MF Leona? Ça pourrait, hein. Je pense qu'on a besoin. Cette Leona qui, pour l'instant, pour moi, est le gros point fort. Le gros point de fixation de cette équipe rouge, elle est là sur tous les plays, et puis j'ai l'impression qu'elle fit vachement bien l'équipe adverse. Elle trouve toujours des thèmes intéressants pour mettre sa mise fortune dans la meilleure des manières. Et c'est, je pense, sur elle qu'il va falloir se reposer pour prendre la plupart de ses fights, notamment dans le mid game. Peut-être essayer de trouver un catch sur une Nami, un Lucian. En dehors de ça, je vois pas trop ce qui pourrait être atteignable. Alors ici, le flash out de la MF, on y va ici. Est-ce qu'on va pouvoir la prendre? Elle a son dash, c'est déjà terminé. C'est très slippery comme champion Kana. Elle va passer ça. Mais est-ce que ce flash n'était pas un petit peu overact côté MF? On n'avait pas l'ulti côté Kana, on avait la Leona pas loin. J'ai l'impression qu'on manque peut-être un peu d'informations sur ce qui arrive sur elle à ce moment précis. Donc on se sent obligé de flash out. Sûrement, en effet. Je préfère qu'elle flash out que qu'elle ne flash pas alors qu'elle aurait dû. Et je fais ici Morvage qui trouve un très bon play. On fait qu'on a flash. Agace. Sur cette Oriana. On a plus de flash sur cette Oriana ou je rêve ou elle vient de flash sur place? Oriana. Sur cette Oriana en effet. Oriana. Oriana. Mais ouais. C'est le même champion. C'est la même fin du champion. Je comprends. Bon, beau play de Gragas, joli ulti. Pas comme celui en top lane. Non, il y a eu des beaux ultis du côté de Gragas. Hein. L'ulti sur le playbot, même si Philippe mal tourné, il est bien trouvé. On réussit à mettre tout son combo, on claque l'ulti pour essayer de ramener Lucian. Mais c'est vrai que ça a fini par mal tourner, donc on dirait qu'il est un peu foutu. En attendant, côté red side, on va trouver cette tourelle sur la tourelle au top qui est délaissée. Et est-ce que on va pas trouver ça étonnant qu'on retrouve cette mid lane en bot lane? Et bien écoute, ils jouent tous les deux. Non, la Cassio joue pas TP, donc c'est peut-être là une petite erreur, parce que la Kali, elle en a une. Et le Nash, oh, mais après peut-être qu'on veut jouer ce troisième Drake pour l'équipe bleue. Donc au final, on est bien placé. Pression. Ouais, la pression sur la soul, on est sur une soul d'infernal.
Et c'est sûr qu'avec leur scaling, s'ils réussissent à récupérer cette soul, c'est un peu échec et ma time really bad ici. Il va réussir à dodge. Attention, on va prendre le flash du côté de Gradiat, on va tout prendre. La soul, c'est un really bad qui se donc la team. On se fait le petit par la Kali, le deuxième c'est l'interruption qui récupère sur cette Kali. La vengeance, attention, par contre, c'est pas terminé. La Kali qui va essayer de rentrer dans ce défi, on va pouvoir mettre le R. Seulement la Neonite touchée, l'ulti de la Dami, la douche de la Miss Fortune ici qui va réussir à abattre Lucien. Extrêmement bien joué Lucien qui essaie de prendre sa chance. Ça suffira pas, Bobby qui va se faire déchiqueter la gueule. Par cette Fiora, le flashing de la Fiora ici, on va prendre 4 kills sur cette phase de jeu. Extrêmement bien joué de l'équipe rouge, c'est de ce genre de play dont ils avaient besoin l'équipe rouge pour s'en remettre en bateau. Il fallait pas laisser cette game filer, il fallait trouver un play proactif, il fallait prendre ce troisième break et pas laisser filer. C'est maintenant fait, est-ce qu'on peut maintenant se diriger vers ce Nashor pour essayer d'asseoir cet avantage? Je sais pas s'il y aura un Nashor, hein. Je pense pas que ça soit parti pour un Nashor vu le pathing de la Kali, mais... Très, très bien joué côté spacing, côté red side, on avait besoin de ça, fallait faire relâcher la pressure. Et on réussit à trouver plein de petits plays individuels, c'est pas mal d'erreurs individuelles aussi. Hein. Beaucoup d'erreurs individuelles. Qui est pas extrêmement bien placé, on est dans ce petit bush, on se fait voir et on se fait alpaguer immédiatement, il n'y a pas d'hésitation du côté de l'équipe bleue. Après, c'est Dashin de Kiana qui est peut-être un petit peu en avance et surtout elle lance son R du mauvais côté. Ouais, si elle lançait son R sur les trois autres personnes, ça pouvait peut-être faire. Ça pouvait tourner le teamfight complètement autour. Et puis encore une fois, ce Lucian qui prend son Dashin sur la Miss Fortune sous le R, ça vient juste le découper avant même qu'il puisse lui mettre suffisamment d'autres. Attention, on essaie d'y aller immédiatement sur Moonset. Moonset qui va utiliser la Counter Strike ici. Et on va pouvoir faire un seul play pratiquement sur la Kana. C'est pas la Counter Strike, mais non, du spell Kova ici. Il va essayer d'aller trouver son kill. C'est fait. C'est maintenant chose faite. Est-ce qu'on a la range maintenant pour aller chercher cette bot lane? Le R into le E, on a touché sur le Lucian, on va pas prendre sa chance, je pense, du côté de. Ah, de Kova. qu'on ait un remake de la game précédente avec la MF qui ne puisse pas faire grand chose, mais le spacing est très bien joué et. On arrive à poser les dégâts. C'est ce qui est surprenant, c'est qu'on voit souvent cette Leona et ce Gragas sur l'engage. Et donc normalement c'est ce qui laisse un petit peu ce... Oh attention c'est Bolzis qui tente la Bobby, est-ce qu'il a vraiment... Ah le Q est parti sur le creep. Oui. Je crois que le Q est parti sur le creep de la Fiora. Non, pas certain que ce soit possible, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas perdu d'HP. Rien qu'à dire dans le chat. Mais... Ah il est triste. Il est triste Moonset là-dessus. Ça lâche des bots diff. En l'occurrence... On regarde les scores purement, oui, il y a un petit peu une bot diff, mais moi je n'oublie pas ce play en bot lane en early et je ne l'oublierai pas. Je n'oublierai pas ce play mid lane, hein, surtout. Le play mid lane, c'est celui-là, on va mettre du temps à l'oublier, je pense. Mais attends, il faut quand même faire quelque chose avec ces golds, hein, puisque pour l'instant, le team fight important dans lequel il a participé à Emrilly Bad, il est mort avant que ça commence. J'ai envie de voir un petit peu les dégâts qu'il peut faire. À l'équipe adverse, avec sa Cassio en 2-1-1. On arrive sur... on est sur ces trois items, on va pouvoir partir sur Sizonia ensuite. La Akali ici. Bah la Akali n'est qu'à 2 items. Bizarre. Qui a 2 items... Finalement, ce Darcy était cool, hein. Ouais, cool. Ouais. Après, ça va, elle a 5 stacks là-dessus. Juste, elle fera jamais Morello, quoi. Ça, c'est... On s'en doute. Mais ça lui donne peut-être des dégâts qu'elle ne devrait pas avoir. Ils lui ont peut-être servi pour tuer la Cassio au fight précédent, par exemple. La différence de gold bot lane est considérable. La Cassio dans son équipe. C'est vrai que ça se foutait bien de la gueule du Greg à son early game, ça, je me rappelle. On est quand même sur un item de gold diff, hein, côté MF, on est à 2500 gold de différence. Ouais, wow, ça c'est violent ça. Ça, ça fait les team fight tout seul, et c'est très compliqué de jouer les Shandami dans ces conditions. Ça, c'est sûr. Okay. C'est Lucian Nami, on peut toujours trouver des choses sur Lucian Nami. Ouais. Oui, oui. On va voir si vous réussirez à trouver quoi. Un pick-up peut-être sur Starting, surtout ils peuvent trouver un pick-up en regardant la game. Bon, c'est ce qui nage d'ailleurs. Non, est-ce qu'ils sont en train vraiment de le faire? J'ai l'impression que c'est pas. Ça a pas été hyper bien scouté, sachant qu'il est déjà à 4000 HP, c'est la chance, ça va sûrement être déjà parti, on n'a pas le temps d'arriver ici. C'est déjà fini, ils vont pouvoir se concentrer complètement sur le fight s'ils veulent turn ici l'équipe rouge. On a Moonset qui est en position et on va juste. Se contenter de s'extirper du bon, c'est une très bonne opération ce qu'ils viennent de nous faire là-dessus, le back. Du côté de c'est qui a back? C'est Akali. Akali. Et c'est fait la chance.
Non, non, ça a été, pardon, pardon, il y a eu le Drake de l'autre côté. C'est pas un extrême bonbon headshake là-dessus. C'est une épique, non. Item Wave, bien sûr que Item Wave. Ah oui, exact. Ouais. Les premières upgrades de Horn qui vont arriver, moi je suis content perdu dans la game, parce que ce Drake a été fait quand? Le Drake Infernal. J'ai oublié. Il a été fait il y a 5 minutes, parce qu'on en retourne sur un break dans 25 secondes. Et je me rappelle pas du play au niveau du Drake qui a amené à la prise de ce Drake. Là, ouais, sûrement. Oui, oui, c'est sûrement ça. Ils ont juste back-off sur le Drake après. Ok, c'est bon. Déclaire dans ma tête. On va essayer de prep ce Drake. Et attention, c'est on a la Fiora en flanking derrière. La Fiora qui est positionnée dans ce tribush qui pourra faire très mal à la composition de l'équipe bleue si jamais on se positionne mal. Elle se monte peut-être un peu tôt. Elle se monte peut-être un peu tôt. Un petit peu tôt. Et ici, on a l'outil de Horn pour essayer de défendre le Drake. On va essayer d'y aller. Moonset ici qui dive. On va ça suffira pas. On a la top wave pour temporiser. Mais les dégâts de la Miss Fortune sont bien trop colossaux. On a déjà plus d'équipe du côté d'Amrilibad. Ils sont tous morts dans ce pit. Et il ne va rien pouvoir faire de plus, lui qui était juste stopwatch à 2 HP. C'est 3 kills qui sont récupérés du côté de l'équipe rouge en échange de ce Drake. Et on va pouvoir maintenant enfoncer cette mid lane et cette bot lane, je pense. En effet, on n'arrive pas à trouver cette MF côté blue side. On n'arrive pas à trouver cette MF qui a d'ailleurs une IE. C'est terrible. Aïe, ça fait beaucoup. Et ici, on ne fait pas l'erreur d'aller chercher. En vrai, je sais même pas si ça aurait été une erreur d'aller chercher le collecteur dans cette game. Cette fois, ça aurait peut-être pu être bien. Bah écoute, mais... je pense que Soldier a quand même fait une différence sur l'ace de tout à l'heure sur le Horn. On voit que Bobby a beau être autant devant qu'il voulait sur son matchup à l'origine, là il arrive pas du tout à tanker cette MF. Et vraiment, les teamfights dans ces pits de Drake, je pense que c'est auto-win si jamais les bleus veulent s'avancer pour les prendre en premier. Ils sont obligés de compter sur tous les fights autour de ces Drake, puisque si jamais ils viennent à se bloquer dans le pit, c'est terminé pour l'intégralité de leur composition. Faut que la Kiana fasse un play incroyable alors que le Horn réussisse à trouver son bump sur la Miss Fortune en cours de fight. Extrêmement compliqué. Le problème ici, c'est que cette MF elle est pile par toute la team en fait, à part la Fiora. Ouais. Elle a une bonne défense sur la MF, le Gragas aussi. C'est dur de jouer la compo de l'équipe bleue dans cette situation en étant autant derrière. Pourtant on y croyait hein. On y croyait avec tous ces plays, ces outplays et ces rataplays qui ont été faits sur la phase de lane. Mais j'ai l'impression que c'est rondement mené ce mid-game. Attention, on cherche un play du côté de la Kana, on a failli trouver la MF qui est bump. Attention, on reprend un bump du côté de la MF, elle a pas le temps de team fight. Mais la Kalin qui va rentrer dans la backline toute seule, on va prendre un kill, peut-être deux. Et ici, la Miss Fortune qui va essayer de défendre sa Leona. Bobby qui prend la douche, ça lui fait ni chaud ni froid. Il va pouvoir prendre ce kill sur la Leona, mais attention, Kovai derrière, on va essayer de tendre sur ce Lucian. Le magnifique flash du côté de Gradia, ça va sûrement pas suffire si c'est fait du côté de ce Lucian, là, Akali. Oh, le magnifique dodge, tu l'as vu, le dodge de Locatio. Sublimement joué de la part de Kovai ici, qui vient complètement disprep, complètement l'intégralité de ce fight. Prendre un kill, voire deux kills dans la backline, et après, il n'y a plus qu'à refermer la porte. Ouais. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il essaie qu'il a mis dans le doublé. C'est Amrilibad ici, qui est tout seul face à cette Fiora. Bobby qui est là en soutien, et la Fiora qui prend son kill quand même, j'allais dire. Qui s'est peut-être un petit peu trop donné là-dessus, mais on va pouvoir prendre son point. Et l'interruption est récupérée par la Cassio, c'est worse. Est-ce que c'est worse? La tour n'est pas tombée, mais elle est très très mal en point. C'est carrément... Quand même oh, elle tombe, c'est fou. J'ai quand même à noter juste avant que... Malgré le dodge de la Cassio côté Akali, on est obligé de respecter Ozonia. Oui, on était... Je pense que ça a un peu paniqué, mais c'était... Dans tous les cas, il n'aurait pas pu Ozonia si jamais il s'était fait. Donc, c'est juste un petit moment de panique, un petit moment de... où il était en feu, et lui-même ne s'en est pas rendu compte. Est-ce qu'on n'a pas envie de voir le Medjay maintenant? Il y a des gens qui se font dox dans le chat. Ça dox carrément les joueurs de la game, là. Où sommes-nous? C'est bien sûr. Alors... Je rentre à toi qui a dox, je rentre à Arras, je peux aller le dox moi-même. Ah, il y a carrément des bibis dans le chat. Je ne sais même plus quoi faire. Le contrôle est complètement perdu du chat, là. Ils mettent bien les ultra-timéos.
Il faudrait que vous essayiez de réveiller votre poulain là. Ils ont besoin de quelqu'un pour un V9 la game, l'équipe bleue. Allez lui, hurle dessus. Il y a une 10 gagnes de différence. Dans CDM LOL, bien évidemment. L'équipe bleue est quand même seulement à un drake de prendre cette swing. Donc on va voir, avec une soul infernale, ils peuvent peut-être aller trouver, tu sais, un bon one-shot sur la Miss Fortune au bon moment. C'est ce que j'allais dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait côté rouge? Est-ce qu'on va défendre ce Nashlor ou est-ce qu'on va défendre cette soul? Ça va se jouer ici, ça va défendre la soul, je pense que les bleus ont largement intérêt à prendre la soul là-dessus. C'est leur seul moyen de revenir dans la game. Et s'ils trade soul contre Nashlor, ils ont plus de chances de défendre que s'ils essayent même de prendre la soul. Les dégâts de Solution sont pitoyables. Attention, ça va sûrement se jouer dans les prochaines secondes. La Fiora qui est sur le top side, on essaye d'enfoncer cette wave le plus loin possible avant de TP. On lui enlève toutes les TP qui pourraient être intéressantes du côté de l'équipe bleue. Il est en train de clear toute la vision. Et attention, elle est en train de prendre l'inhibiteur pour l'instant. Moonset, il va peut-être falloir TP si le fight s'engage. Il faut pas laisser ce Drake partir, je pense. Il est peut-être en train de partir pour aller finir la game. Il est peut-être parti pour finir la game. C'est une base race. On va essayer de cancel les bugs de l'équipe bleue ici. L'équipe bleue qui jette dans le fight. Il faut éliminer l'équipe rouge le plus vite possible. Et réussir à battre. J'ai l'impression que Moonset est un petit peu enlisé dans ce push sur top side. Ils sont encore 3v3. Bobby est en train de TP. Est-ce qu'il va suffire? Il va réussir à compléter sa TP. Mais est-ce que ça suffira face à Zephyra? Est-ce qu'il va pouvoir défendre sa base pendant que la cadenas se fait complètement alpaguer? C'est terminé pour elle. Quadruplé du côté de Koba. Est-ce qu'on va essayer de lui donner ce top? Bobby ici qui est en train de prendre le meilleur sur Moonset. Moonset qui va mourir ici. Et est-ce qu'on essaye d'aller donner ce penta à Koba? Est-ce que Bobby va le donner? Attention. Il est là, Bobby, on le dash out. Ils vont sûrement se contenter de prendre la gueule là-dessus. Koba aimerait bien prendre son petit penta qui est en tryout. On le sait. Curieux de savoir combien cette Akelia de gold sur elle. Ça fait un moment qu'elle a pas back. C'est Elon Musk là, actuellement. Les... Ouh, non. Seulement 2300, ok. Seulement 2500. J'ai vu le mauvais nombre. Eh bien, fais voir ce qu'elle a comme item. Reviens sur les items vite fait. Là, on va partir sur un Medjay. Là, faut prendre le Medjay. C'est un début de Rabadon, hein. Faut le verrouiller, le Medjay, là. Et bah après, elle pourra pas faire début de Rabadon, là, parce qu'il y a pas assez de gold, c'est fini sans Medjay, là. Elle vend son... Et on a atteint les 50 viewers, merci à tous. 50 viewers sur le premier stream de la saison. Ah donc une bonne saison. Attention du vide. Le petit Akali. Ah Véro, il va se taffer pas sans Medjay. Ok. Ok. Par contre on a un Medjay côté Gragas. Elle est en train, la Miss Fortune et la Akali qui sont en train de faire le boulot hein, dans ce teamfight. C'est clean. Ça élimine tout ce qui bouge et on est parti sur ce Nashor. Le Nashor qui devrait clore la game, on va même pas aller le contest. Du côté de l'équipe. Comment tu veux le contest avec 3 inhib down? Je sais pas trop comment ils vont contester un triple push de double creep, de super creep boosté par Nashor. Je pense que dans les deux cas, il fallait un hero play. C'est maintenant que ça va se jouer. Je pense que cette game sera finie dans les prochaines secondes si ça se passe bien pour l'équipe rouge. On va voir. Timéo pour ce hero play, le chat. Et on espère. Les ultra Timéo, c'est maintenant qu'il va falloir se réveiller. On veut un ulti, un reverse de Cassio sur 5 personnes. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai que chez... Attends, c'est moi je te poursuis. Merde. Attends, c'est pas pour les bons là, attends. Qu'est-ce qui vient de se passer? Non, c'est la Miss Fortune qui a tué, j'ai pas eu... La douche. La douche, ouais, il y a trop de dégâts, même Bobby ne peut pas tenir ici. Et la Akali qui est derrière pour complètement... Ah non, là. Dans mode full Minecraft League of Legends, là, avec les pixels, et c'est terminé. L'équipe rouge qui remporte cette game. Et Adri qui va devoir lâcher son Twitch Prime dans le chat. Dommage pour Adrien. Et bon. Alors là, c'est le moment. C'est le moment où j'essaye de récupérer la star. Ouais, il faut récupérer la star. N'hésite pas. Je pense que tu peux le DM toi-même, Maxime, si tu peux. Mais nous, bon, est-ce qu'on a quelques mots à dire sur cette game? Moi, j'ai kiffé la game. J'ai kiffé la game aussi. Il y a eu des plays de partout. C'était moi la fiesta que la première. Un early intéressant, maintenant c'est ce que j'avais dit, attention à ce mid-game, le mid-game a été pris côté raid, et puis voilà. Hein. Exact, et puis après voilà, hein, c'est cette Miss Fortune qui a verrouillé l'intégralité des teamfights, il était injouable pour l'équipe bleue pendant toute la durée du match, et la Akali qui bon, a été victime d'un,
une petite glissade sur la mid lane qui s'en est bien mise et qui finit par littéralement aller chercher l'intégralité de la backline et tous les failles. C'est Tiura aussi. En fait, c'était une game en deux temps. J'ai l'impression que l'équipe bleue a pas mal dominé leur lead game et qu'il y a eu un spougre saut à un moment. Ouais, et que même cette Tiura a fini par prendre ses solo kills sur la top lane. Peut-être Leona qui a été importante dans tous les plays sur le bot side. Ouais, je pense que tout le monde a été important, surtout cette MF. Je pense que la MF, ça va peut-être t'étonner, mais cette MF MVP de la game pour moi. Si, hein, j'ai l'impression qu'elle était vraiment c'est un pilier pour juste jouer tout l'exploit. MF impérial au spacing. C'est vraiment une grosse game qui nous fait là-dessus. C'est quoi, c'est Darkware. On espère le revoir, je sais même pas ce qui. Voilà, la prochaine game. Mais après, qui n'a pas démérité du côté? Je sais que Bobby avait pris pas mal d'avantages dans son match-up en arrière. C'est un match-up qui est hyper désavantageux. La Kian, on l'a vu prendre ce first blood et prendre pas mal de CS d'avance hein, sur ce Gragas en early game malgré son clear un peu lent. Et la Cassio, bon, la Cassio, c'est Timéo. Il nous a fait rêver. Hein. Il est pas là pour gagner la game, il est là juste pour les clips. Il est là pour jouer pour Synapse. Et après, on a eu. Moi, j'oublie pas ce play en 2v2 bot lane où ils font 2 pour 2 sur un dive en 2v4. Donc, du bon partout. Nous, je pense qu'on va se retrouver encore une fois dans une dizaine de minutes pour la dernière game de la soirée. À récupérer la star. Ouais, on va essayer de vous récupérer la star. Et on se retrouve avec l'interview possiblement après la pause. À tout. Toujours en stream et je pense qu'en toute façon on va faire l'interview après la pause. Ce sera après la pause, on va juste se mettre en pause pour l'instant et revenir dans une dizaine de minutes. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va dire tout de suite, il joue après en effet. Il joue après, je sais pas l'interview maintenant. Je te jure que ça va être assez intéressant comme personnage. Je pense qu'il faut l'interviewer maintenant moi du coup s'il joue après. Il peut venir maintenant du coup ouais. Bon, on reste en stream alors. Pas de pause. Pas de pause pour nous. Et on attend la star du match, la star du soir. Je sais pas s'il est en train de se préparer pour la game d'après. Dis-nous ce que tu sais, mon bro Maxime. Il est parti pisser sûrement. Il arrive. Vas-y. Ouais. Oh. Attendez. Mesdames et messieurs, je crois qu'on a en notre compagnie la star du soir. Timéo de ton nom, c'est bien ça? C'est bien cela. Timéo, si je peux t'appeler comme ça, je voudrais pas non plus être maladroit. Mais j'ai l'impression que tu as de fervents supporters avec toi dans le chat. Eh ouais, effectivement, il y a beaucoup d'Isséniens avec moi. J'y remercie d'ailleurs beaucoup. Ça me fait très chaud au cœur. Je te remercie les de QT Dox. Tu t'es carrément fait Dox par tes potes en play game. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est ça qui t'a fait un petit peu être fébrile sur la fin de game? Non, parce que j'avais pas le chat ouvert pendant la game. Je l'ai vu après. Bon bah, tu t'es fait Dox en légende. Nice. De quoi on va pouvoir parler? Ta performance sur la game, qu'est-ce que t'en penses? Je voudrais. Ouais, c'est ça, on va reparler de ce fameux dive only. Qui s'est passé? Je me suis dit que Leona avait pas trop de dégâts et que du coup j'allais pouvoir régen sur Akali et c'est bien passé et j'ai buté les deux du coup. Insane. On était comme des ouf, je sais pas si t'as vu le clip, tu devrais aller voir le clip. Mais, le chat était en ébullition. On était sur les rotules. On ne savait pas quoi dire. Même dans l'équipe, ils étaient, ils ont, voilà, ils m'ont applaudi quoi, voilà. Les yeux aussi ont applaudi. Et merci. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est plus un play de ta part ou une glissade de l'équipe adverse? C'est que de la faute de l'Akali, tu penses? Non. Il y a un coup qui était clairement du foutage de gueule maintenant. Après j'étais dans l'action donc j'ai pas bien vu ce que la Kali a fait pour pas me buter mais ils ont pas misplay, ils ont tenté, j'avais vraiment un HP et juste voilà quoi, un petit outplay dans la game dans le chat, mais carrément si tu veux faire des petites dédicaces c'est vraiment le moment.
Ouais, je sais pas. Il y a trop de gens en fait. Bah, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, exactement. Et globalement, il vous dit d'aller vous faire foutre pour les gens. Il y a trop de gens, il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Bon, on va peut-être te laisser te reconcentrer sur la prochaine game. Je sais pas dans combien de temps tu dois partir. Dans pas longtemps là. Ouais, du coup, tu rejoues à la game d'après. T'es confiant dans la game d'après? Pas du tout. J'ai le pire match-up et pire team pour jouer contre. Voilà. Ok. On ne veut pas savoir les match-up pour l'instant, pour les drafts sont dévoilés. Je suis désolé, t'es en train de te faire insulter dans le chat. Hein. Ah c'est l'erreur d'avoir dit que t'avais pas de dédicace à faire. Non mais je fais une petite dédicace quand même à ma meuf qui me regarde et qui me supporte. Ah bah vas-y, c'est grand plaisir, elle va être super contente. Sachant qu'en plus tu la dédicaces sur les gueules que t'as perdu. C'est vrai. Ok, et ben je pense qu'on a régalé le chat. On va pouvoir te laisser concentrer sur la prochaine game. On va se prendre une petite pause en vite fait. Et voilà, du coup, on se retrouve dans 10 minutes. Une game. Ok, bah merci à vous. Merci à toi, bonne chance pour la prochaine. Merci, au revoir. Et nous, on va se contenter du coup de prendre notre petite pause rapidement. Petite pause. Donc, ouais, on se retrouve dans 5 minutes, sûrement, peut-être un peu plus. On verra. Tous.
apparemment cassé en LEC, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, on est en stream, let's go. Let's go. Let's go. Alors, du coup, maintenant, t'as promis que t'animais, donc Jambon anime. Ouais, c'est vrai. Salut l'équipe. Oh, apparemment, on est plein et tout. C'est ici qu'on a des interactions avec le chat Twitch. Du coup, je suis venu avoir des interactions avec le chat Twitch, mais après, si vous voulez pas, je comprendrai. Non, ouais, banger, il y a des bangers ce soir, là, vous en avez pensé quoi, vous, mes chers casteurs, de cette game? Parce qu'en fait, forcément, vu que j'écoute les coms, j'écoute pas le cast. Qu'est-ce que quoi? Vous êtes fan? Je suis fan de cette deuxième game, notamment. Ah. Ouais, il y avait du match. Ça s'est affronté par tes autres. Ça se tape bien, ouais. Ça se tape bien. Et en vrai, il y a des pépites, hein. J'ai envie de dire, Kova, là, il a très, très bien joué dans la game. Imo. Enfin, très très bien joué, notre star national Timéo également. Timéo, c'est la star internationale. c'était la star internationale du chat, hein, qui d'ailleurs l'a doxé. Ouais, ouais, mais en fait, tu viens de Jungle Croc. Mais oui, mais Timéo est une star, il faut le savoir. Il se balade dans les couloirs de l'Isten, on le reconnaît à des kilomètres. C'est The Timéo. C'était sympa en vrai, bah écoute. Et oui, c'est le genre national, évidemment. Ah, mais oui, mais ok, il y a Victorien, je comprends mieux. Oh putain, mon casque marche pas. Ah, je devais couper mon son. Désolé, personne parle, j'en viens nickel. Le stream grave cringe, il se passe rien. J'étais. Je regardais, je sais pas si vous avez vu, il y a un clip de Karim Benzema là. Au Ballon d'Or où il y avait une meuf là, une pote à Ibai. Oui, il baille du coup, le mec de Coil. Hein. Ouais. Il était là, et là, il y avait une meuf qui tenait un micro, genre, enfin, un casque avec lui et son micro, et genre, pour que Ibai interviewe Benzema. Et la meuf, elle lui dit, ouais, il y a Ibai qui veut te parler. Et il a lâché, c'est qui Ibai? Okay. Ça m'a mis extrêmement bien. C'est qui Ibai? Il le dit en français, en plus, du coup, Ibai, il comprend rien, il fait toute son interview après, mais c'est qui là? Bon, vas-y, Armand, quand tu veux, on peut lancer le stream et on va t'interviewer. Mais tu sais qu'on est en stream quand même. On est en stream. Ta gueule. C'est une vanne. Attends, tu racontais. Je pensais que tu racontais cette anecdote pour le stage. Bah ok, bah c'est banger. Bah banger. Mec. Bah ça va bien. Mais écoute, on est toujours là. Un tel moment tant que tu veux. Mais attends, je réponds un peu aux questions du chat parce que. J'avais coupé mon casque. Stylé. Fun okay. Fact. Timéo dit bonjour au prof dans les couloirs et ils ne lui répondent pas. Ah bah c'est un peu sad ça. Ça c'est vraiment une fun fact de Timéo. Moi de ce qu'on m'a dit, c'est les profs de prépa ils sont tendus genre. Enfin après j'ai pas fait prépa CPG donc j'en sais rien du tout. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était des gens hyper sympas les rares fois où je leur ai parlé. Peut-être que c'est moi hein. Ouais je pense que c'est vraiment toi qui est pas sympa. J'ai peut-être l'air d'une merde humaine quand je leur parle. Mais il manque plus dans la gueule. Fun fact, Timéo, ici, ça sortait S de maths. vous me mettez bien. Ah, si, c'est son S de maths, mais là, je crois qu'il va gagner la game. Non, il va pas gagner la game. Pardon. Mais arrêtez de le doxer, pauvre garçon. Mais pauvre, en plus, ça balance carrément le job de son baron. Mais vous voulez qu'il se fasse péter les gueules à son taf, son baron, en fait. Ah oui, en fait, vous voulez qu'on le retrouve, c'est chaud. C'est trop grave. Attends, je vais juste vérifier qu'on n'est pas dans une session de go. Tu pourras me dire quand c'est good. Et je vais raconter un petit dessous du staff qui regarde les matchs et qui analyse. L'anecdote, c'est qu'il existe un tableau. Ce tableau, on a fait des paris sur qui allait gagner la game et pourquoi. À chaque fois. Il y a des trucs un peu sad du style. S'il y a Shelby dans la game... Vous prenez toujours l'équipe opposée à Shelby et vous la mettez gagnante, et pour l'instant c'est vérifié. C'est souvent ce qui se passe dans les matchs de recrutement. Mais c'est pas moi. Moi j'ai voté pour Shelby dans les games. Fais gaffe parce qu'à tout moment Shelby il peut débarquer en légende. Bah, si Shelby n'a pas les permes, tout va bien alors. David Shelby qui envoie les pas les permes sur le chat. Je suis surpris de la nouvelle. C'est réel, sur les paris du coup, pour l'instant. Alors, première game, il y a... Oula, c'est dur les maths. Il y avait 5 personnes qui avaient dit Blue Side et 5 personnes Red, du coup, en égalité.
Et sur la deuxième game, 5 personnes raid et 5 personnes boue, donc on a encore à égalité, donc c'est parfait. Pour l'instant... Dis-moi que sur la dernière game, tout le monde a voté Blue Side. Sur la dernière game, tout le monde a voté... Ah non, c'est partagé. Sur la game 4, par contre, les gens ont voté raid, mais les gens ne connaissent pas encore les compos de la game 4. Sur cette game-là, précisément, on a 5 bleus, 5 raids, pareil. Ah non, oula, attends, mais Matt... Non, on a 4 raids et 6 bleus. Vous allez dire. Voilà. Majoritairement pour le Blue Side, mais on sait jamais. Moi je me dis qu'il y a le Gragas demain en match. Donc c'est pas What mal. What the fuck, ça spoil leak. Ça spoil leak. Je pense qu'on va être bon pour Go. Donc écoutez, je vais retourner à ma communication et je vais vous laisser animer bon, un peu et parler de ses compos. Mais non, mais moi j'ai même pas pu interviewer mon invité là, j'étais complètement FK. Bah, fallait pas raconter des anecdotes sur Karim Benzema et bye mec. Karim Benzema, il m'a baisé la gueule. Non. Allez, bon casse à vous et merci le chat, à bientôt. Ballon d'or et le Nouévé, ruiné mon interview. C'était une tentative. Bon. Maintenant que le trubillon est parti, maintenant que. Voilà, passé maintenant qu'on a plus de jambon. Non, on a plus de jambon, on a plus de ballon d'or, il faut parler de la game. Il y a plus de Noévé, maintenant il y a que des ballons d'or dans la team. Là, il y a que des grands joueurs, et on est lancé dans la draft. Alors vous la voyez pas encore. Parce que vous la voyez pas, mais nous on triche, on l'a depuis maintenant 3 heures. Oui, et apparemment c'est une draft qui est pas au max, de ce que je vous avais dit. De ce que je vois, c'est pas au max côté red side. Le red side n'est pas avantagé dans la game. C'est un qui va dans la game. Donc triste pour les ultras qui vont encore devoir avaler leurs larmes sûrement. Peut-être. En vrai, la dernière fois qu'on a dit que le match n'était pas avantagé, ils ont perdu. Enfin, ils ont gagné. Donc. Ils ont gagné. Pourquoi pas? On est peut-être juste des mauvais analystes. En fait, soit je suis une mauvaise analyste, soit je suis peut-être, je sais pas, une relative à Shox. Qui à chaque fois qu'elle fait un discours pour une équipe, elle perd. Qui est très bon dans la caster purse. La sœur Shox. Bon, petit sondage. On a un petit sondage ouais, qui a été lancé pour la régie. Vous pouvez parier vos petits points de chaîne, comme ça vous pouvez acheter des emotes. Non, vous pouvez pas, c'est seulement en faisant des surprises. C'est juste un peu nul. Vous pouvez pas du tout faire ça. Allez, pas vérifier. Moi, je vais. Vas-y, c'est quoi, moi, je bête aussi. C'est quoi, donc, moi, je bête Blue Side. Mais moi, je suis. Maintenant, on a ces. Non, j'ai voté Blue Side. Non, je suis dégoûté. J'ai voté pour les gens faciles. Moi, je veux pas voter pour les gens faciles. Nul. Enfin, je suis même pas du côté de la team Emery Libat, du coup. Bon, la draft, je t'en prie. Je vais te laisser nous en on y va? Vas-y. Bon, le chat, je sais que vous le détestez et que vous voulez le dox. Donc, allez-y, doxez-le sur ce Yasuo contre Irelia. ouais, Yasuo contre Irelia, bah on s'emmerde côté Yasuo, je crois. Hein, C'est un petit peu dur. En vrai, il peut whitewall le. Ah, il peut whitewall l'ulti aussi. Non, mais carrément. Attends, tu veux dire que. C'est débile. Chaque côté sa place, c'est action. Là, attends, c'est quoi? Ouais, s'il a son E déjà de l'autre côté du White Wall, le spell va prendre quand même, c'est ça? Ok, bah du coup, je porte la plante. Ok, c'est bon. C'est logique, c'est comme ça qu'on aime le jeu. Non, je porte plante parce que ça marche pas sur Samira, donc voilà, je porte plante. Oui, mais personne aime ce champion. Bah si, moi. Bah non. Bah non. Bah non. Non, c'est un champion. Elle est là, tu sais pas quoi choisir entre un gun et une épée, c'est pour un moment faire un choix dans la vie, on est plus débile. Oh là là, relayé par Kova. Et puis quoi encore lui-même. On veut des infos Kova, nous, on s'en bat les couilles. Bon, on ouais, est fini, on a notre draft. Bon, Irelia, après Irelia Yasuo, le truc marrant, c'est que Irelia ça pue, non? Je sais pas, hein. Là, je pense que Irelia ça pue bien la merde. Moi j'attends de voir. Non, on va attendre de voir, sinon... Du coup, tiens, on fait mid-jungle directement, comme ça on aura peut-être des inside infos. Donc là, on a Irelia Kindred et Gragas Yasuo. Eh bah, écoute-moi bien. Moi, je suis content d'être Emrilly Ball dans la game.
En vrai, ouais, le mid jungle est bien côté Yasuo. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas que ça dans le team? Alors, bon, il n'y a pas que ça, mais c'est déjà pas mal, tu vois, on a quelque chose. On commence à avoir un petit quelque chose niveau red side. Un petit combo, la Gwen qui rentre, elle met des coups de ciseaux quick. Pharussi, il fait je sais pas quoi avec ses flèches. C'est compliqué l'équipe rouge, hein. Putain de merde. Parce que je vois même pas comment le Varus peut gagner sans mettre le bot side. Pour moi, le problème est bot side. Parce que une fois que Varus a posé ses dégâts, la voie est libre sur un ulti d'Ilean et sur Ezreal. C'est ça, Varus, ça, tu mets un one burst et puis Ilean il fait bah non. Et puis bah du coup non. Ils survivent, c'est fini. Donc après, je sais pas, je pense qu'ils peuvent gratter, ils peuvent aller chercher du poke, mais je pense que le poke de Varus est plus facile à placer qu'Ezreal. Après, Ezreal a vachement plus de quoi, enfin, a vachement plus de mana, a vachement plus de quoi pilonner avec son cul en early game. Varus, s'il met deux coups, c'est fini. Et on voit le mélangeur de volume de Maxime. Oui. Un peu côté droit de la base. Le Red Side qui a gagné le pole. Et pour finir, peut-être sur le match-up top. Je pense que c'est encore une fois de plus Blue Side favored. Hein. Pour moi, Voli, Bergen, Dangwen. Gwen is not immune. Hein. Et si on peut dire quelque chose, si cette game traîne en longueur, Gwen, Yasuo, Gragas, c'est cool. Faire mal. C'est cool. Après, il y a Kindred en face, tu vois, mais Kindred, si on réussit à la stopper, peut-être la Irelia est pire. Pour moi, si en blue side on fait s'envoler le Volibear, c'est fini. Peut-être que si Bobby réussit à prendre son match-up sur Moonset, c'est encore Bobby contre Moonset. Il a fait 10 fois le match-up. Moonset a joué 3 games ce soir encore. Bon bah, re-Bobby contre Moonset. Le match-up est peut-être. Parce que Bobby il avait un match-up vraiment compliqué là, il a vraiment un match-up avantageux, c'est intéressant de voir les deux côtés du truc. Mais vu comment ça s'était passé pour Moonset la première game où il avait l'avantage, j'ai un peu peur pour lui. On va voir si c'est mieux maîtrisé. Peut-être qu'il maîtrise un peu mieux ce match-up. En vrai, ils ont eu le temps de travailler les match-up. Ça fait un bout de temps qu'ils connaissent les drafts de toutes leurs games. Donc s'ils voulaient aller chercher un petit peu comment jouer chaque match-up, qu'est-ce qu'il faut faire, trouver un plan de jeu, ils ont pu le faire avant. Donc c'est un peu différent d'un setup compétitif. Quoi. En tout cas, moi j'aime bien. Si tu veux une insight sur moi, très fier de. J'aime beaucoup l'icône de notre brésilien. Elle me met bien, elle me rend fier et j'en ai la larme à l'œil. Moi, elle me rend pas du tout fier. Hein, voilà. Mais voilà. Ah, bien te faire foutre en légende. Hein. Ouais. Écoute, ici, on est un fan de la grandeur, de la grande époque. Ici, on supporte G2 et Rogue. Hein, désolé à tous, hein, mais. Ouais, Ici, on supporte Andrew Tate, bien évidemment. Ici, c'est Andrew Tate et aussi l'équivalent de l'équipe de Caen au football. C'est la même, hein. c'est le Stade Malherbe. C'est la même chose. C'est autant de supporters, à peu près. C'est que Monaco. C'est ça, c'est Monaco, ils ont 0 supporters. Et alors que ça va être tout noir, une fois de plus. Oh non, pas le droit de faire ça. Non, t'as pas le droit de faire cette vanne en direct devant 45 personnes. Mais t'as le droit. Non, t'as pas le droit. Si. Non, ça fait partie des trucs que t'as pas le droit de faire devant des gens. Genre, avec d'autres trucs que je citerai pas. Et bon, il a même les mots. Non, monsieur Hazer. Non, mais il va gagner. Je suis pour l'équipe rouge. Ça y est, c'est acté. Je suis pour monsieur My Hazer. C'est pas monsieur Hazer, c'est My Hazer. Et on est parti pour cette game. Bon, ça commence à... Moi, ça commence à fatiguer. Je suis un peu en roue libre là. Ici, ça va chill, détente, casse. On va chill, non, écoute. Ouais, on va se mettre bien. Moi, j'ai vraiment peur que cette game ne révolve que sur un combo côté raid, et dès que ce combo est parti, il n'y a plus rien. Et écoute, ce combo, il est suffisamment fort pour un V9 in game en vrai. Moi, je pense. Je pense que ouais, ça peut clairement tourner n'importe quel team fight, n'importe quel gank en sa faveur. Je pense qu'il faut vraiment garder un œil sur Zilean. Par contre, on sait que du coup, le gros prio, hein, attention, on sait que vous savez qu'il faut absolument défendre cette mid lane. Parce que sans ce combo Gragas Yasuo qui marche,
ta combo, la compo rouge tombe vraiment à la flotte. Donc, restez attentifs. Et même si on joue Kindred, peut-être il est mieux de défendre ses Tyriliens que d'aller chercher sa marque au groupe adverse. Très vrai. Restez connectés. Donc deux stars blue side ici du côté des deux junglers, deux lich encore comme à la game précédente. Pas de play qui sont tentés niveau 1 et puis on a ce pour libérer cette queen qui sont même pas encore vus. On essaye de fake le lich des deux côtés. Je double blown plating de l'emmerde au mid lane. Le point plating, elle joue point plating. Le bon plating gaming en mid lane. Oh là. Comment vous êtes quand même. Attention à ce Volibear quand même. Attention à ce Volibear quand même qui perd en early. Hein. Oui. Oui, après là on a vraiment pas l'impression. Une fois qu'il a réussi à avancer les éclairs, j'ai l'impression qu'il arrache la Gwen sur tous les trails. Je pense pas, parce que vraiment le E de Gwen c'est vraiment l'une des choses les plus stupides qui soit. Un peu réel. J'avoue que moi, Gwen, c'est vraiment un champion que je comprends pas. Et c'est inné pourtant. J'y arrive juste pas. Dans le grab de Walls là-dessus, très bien trouvé, on va pouvoir lâcher une belle tranche sur ce Ezreal qui était encore niveau 1. Encore de dash parce que la tranche est de raclette. Ouh là, attention Moonsel qui va prendre un gros trade là-dessus. Je fais mal celui-là, sachant que Volibear a son Ignite, il est maintenant en range de kill à tout moment. C'est compliqué. Compliqué pour cette Gwen déjà sur le top side, qui fait genre un petit peu de retard sur ce point. Attends, ça aurait touché le Ezreal, c'était bien vu. On force le dash out et c'est Irelia et ce Yasuo qui voulait ici se mettre sur la gueule, c'est touché. Le stun d'Irelia est touché, donc le trade est remporté pour elle. On va voir reculer. Yasuo. Est-ce qu'on n'aurait pas pris de la MR côté Varus? Parce que j'ai vraiment l'impression que ce Zilean ne fait pas de dégâts. Effectivement. Et on va voir, hein, on va voir un petit peu. Moi j'ai hâte de voir un petit peu comment va s'amorcer ce match-up blue side. J'aimerais bien qu'il se passe des choses avant le niveau 6. Sinon, je pense que ça va devenir très très chiant. On va se regarder droit dans le bord des yeux. Ce voli a commencé Doran's Ring. C'est vrai ça. C'est peut-être comme ça qu'il a pu surprendre Moonset sur ce trade. Quand le E est tombé, je trouvais qu'il avait fait énormément de dégâts. Oui. C'est bien cette bagarre. J'ai l'impression que c'est lui du côté de la Kindred, elle est juste là et Moonset qui se fait ignite, il va même pas pouvoir survivre assez longtemps et c'est First Blood du côté de Bobby, est-ce qu'il a le temps de prendre le kill, c'est Flash. Antoine qui sera pas là assez tôt, est-ce qu'on peut quand même récupérer le kill sur Morvash, le slow qui est touché, on va pouvoir mettre un stack, deux stacks, est-ce qu'on va pouvoir prendre le troisième, le slow qui est touché. Et on n'ira pas plus loin, la marque qui vient de spawn sur le Carapater Botside. On risque de se jeter dessus du côté de cette Kindred en sachant que le Gragas est force back maintenant. Plus de fantôme côté Gragas. Après ça on est en train de casser ce freeze. On a plus de Phantom côté Gragas, on a plus de Sam côté Gwen. Ouais, compliqué, là ça va être un topside où il risque de pas se passer grand chose pendant un bout de temps maintenant, hein, qu'on a plus du tout de Summoners du côté des deux joueurs. Peut-être une surprise côté. Oh! Peut-être une surprise. Y'a plus de Q côté Irelia? Ah, c'est bad. On y est allé. Kova qui prend encore le meilleur sur Imri Libad sur ce trade. Voilà, peut-être un peu plus de temps à Siasu. Sur le grab de Wall, ça touchera pas. Je vais tenter d'aller chercher les deux en même temps. On n'a pas réussi à toucher. Wall, ce qui reste encore un petit peu ici pour peut-être positionner cette lanterne en cas de besoin. Moonset. Mais sacré patate, Voli. Hein. Waouh. Le Voli, il boom. Il met des grosses droites. Attention, Moonset ici qui trouve peut-être un angle pour aller chercher un gros trade sur Bobby. Le Q, attention, le E qui vient faire énormément de dégâts sur Moonset et qui va donner un deuxième kill à Bobby. J'ai l'impression que ça commence à partir en bataille des upside. Oui. Ce E est fatal pour cette Gwen. Ouais. En plus, qu'il tombe bien au moment où Gwen n'est plus immune. Gwen is immune. Gwen is immune, immune, ignorant, ouais. Gwen is immune. Ah, et le chat qui nous demande d'ajouter des gens sur Insta. Il manque la fin du Insta, gros. Si tu pouvais le mettre en entier, ça arrange, en vrai. Oh, le Yasuo, ça touche ici, on va pouvoir mettre ce R et le voilà, le fameux combo qui devait débloquer cette game, c'est pris. Qui va pouvoir prendre ce premier kill de Zilean ici qui reste pour poser son aiguille, on prend le kill. Il ne devrait pas être inquiété, c'est 1 pour 1 sur ce kill, mais le kill est récupéré par le Yasuo.
Wells, tu peux faire surprendre ici. C'est qui? Il est tout seul, Wells, sur cette mid lane. Le Bragas qui est en train de marcher vers le top side de droit. Je pense qu'on a aucune chance de survivre. Et c'est un kill gratuit sur cette petite. Est-ce qu'elle vient de prendre un stack? Non. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ni sur le Gragas, ouais. Sur le Gragas? On n'a pas pris du tout de stack, je crois, côté Kindred. Hein. Je l'ai pas vu prendre son carap. Non, j'ai pas encore l'impression qu'elle ait de stack cette Kindred. Elle en avait un quand même. Je pense qu'elle a pris le carapateur bot side. J'ai l'impression qu'on va se la remettre au top. On va essayer de se la remettre. Bobby qui a déjà lâché son E, ça peut être catastrophique. Très bon air pour deux joueurs devant Vachon qui va pas toucher. Et on est carrément plus dans la game. Merci. Est-ce qu'on peut venir voir la suite du PF? C'est vrai. Ouais, on pourra pas voir la suite de ce play. Bobby qui survit. Très bon air de sa part pour Dodge. Et IDM comme un chien. Allez, le mental edge j'ai pris du côté de Bobby, j'ai l'impression. Parfait. Et on va partir Riff Maker côté Bobby. Oh là là. Oh là là, il se bat les couilles. C'est trop grave ce qu'il est en train de faire là. Le Riff Maker sur Bobby Dodge. J'ai peur que ça lui porte préjudice plus tard dans la game. C'est surtout qu'ils sont pas dans le frontline quoi, c'est juste pour exploser la GoM. On veut juste prendre l'ego. Et le Drake. Le Drake qui est pris par la Kindred. Combien de stacks? Tiens, ce serait bien d'essayer de monitorer. Son prochain stack c'est sur le carapateur topside. Et ça a pas l'air d'être contesté, elle y court pour l'instant. Donc ça devrait être validé pour elle. Pour petite sèvre. Oh. On les ultra team et Okur était là pour son premier kill de la game sur son Yasuso. Sur la Gwen qui risque de se faire. Attention ici, ça s'échange sur cette mid lane. Le Gragas et le Thresh qui sont ici. On a la descente peut-être de la Kindred pour venir l'aider. On le voit pas à l'écran, mais ils sont en train de s'assembler pour peut-être un fight. Non, ça va être disengage. Ça se la met bien quand même en mid lane. Hein. C'est ouais. Intéressant. Ça se tape. Hein. Ah, tiens, Andro, ça se tape pas. Tu vois, c'est le bot. Ça, Tiens. Là, ok, la petite mid dive sur Varus, on rate le R et puis fin du trade. Je pense que ça va mettre un petit bac sur Ezreal. Attention, il est au milieu de la wave là, qu'on va quand même. Il y a le Zileal pour venir l'aider. C'est très bien, ouais, il veut que la part de Gilles est blessée. Un deuxième kit qui devrait être validé pour lui. Enfin, ça s'est tiré, lien, c'est pris. Et ce Yasuo qui est activé. La condition de victoire de l'équipe rouge qui est activée. Qui est activé maintenant, est-ce que. Bon, c'est peut-être pas. C'est pas. Un grand truc, mais est-ce qu'on a pas un peu overreact avec ce R? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut valider ce kill dans tous les cas, sur quel. Ouais, peut-être pour cette défense du Herald, puisqu'ici on va peut-être manquer de spell. J'ai l'impression qu'on a plus. On a encore. Si on a encore ce Gragas, c'est excellent stun de la part du Zilean et Zilean. De se suicider, on renvoie le Volibear sur la Gwen. Attention, on a peut-être tué Moonset là-dessus. Non. Ça devrait aller, mais le play Herald est validé par l'équipe bleue. C'est un très bon vol pendant que ce Ezreal, en plus, prend ses plaques sur le bot side. C'est tout bon pour l'équipe bleue là-dessus. Et donc voilà le play catastrophe pour l'équipe rouge. Le problème c'est que si le Yasuo a beau s'envoler, si Zvolibert et cette Kindred s'envolent, ça peut être compliqué. C'est compliqué, ça risque d'être compliqué. Moi j'avoue que j'ai pas trop peur du Zvolibert, juste peur de ce qu'il peut faire à la Gwen en lane. À quel point il peut la mettre derrière. Je pense qu'on peut en avoir peur, maintenant il part Riftmaker, donc est-ce qu'on peut pas s'en foutre un peu? C'est ce que je me dis aussi justement, c'est vraiment juste une menace pour la Gwen, essayer de la mettre le plus loin derrière possible, et attention ici peut-être, pour remettre cette Gwen bien dans la game, on retente le même play tout à l'heure. Bon, une fois l'ulti de Bobby qui est défensivement et couvert, il se fait encore une fois attraper sur la mid lane, le Zilean qui est encore une fois là pour défendre, le Zilean qui est absolument tout le temps là-bas. Imperial Sozilian, comme je l'avais dit, il peut être clé dans cette game, il faut regarder un œil sur lui, Baka. Attention, Morvage qui retente encore une fois sur le topside et le flash de Bobby. Non, Bobby, ce qu'il est en train de leur faire, c'est trop grave. C'est du harcèlement côté. Oh là là, le cancel de back là-dessous. C'est trop grave ce qu'il est en train de leur faire. Il absorbe la pression de joueurs sur 5 minutes de jeu. Et ne meurt absolument aucune fois tout en restant presque devant sur son match-up en termes de CS. Razer qui va ici réussir à dodge. Elle est en train de setup un énorme freeze, j'ai l'impression, du côté du Ezreal. C'est toute l'utilité de ce play. Ça risque d'être compliqué pour le Varus vu la taille du freeze qui vient d'être récupéré par le Ezreal. Si on pouvait avoir un coup d'œil là. Petit coup d'œil. Ah non, j'ai l'impression. Ah, il a juste clear la wave. Il a pas fait. Surprenant.
Enfin non, je m'attendais à un prix énorme. Sur des dégâts d'ailleurs. Ah, et les CPG qui sont en train de s'échanger des infos dans le chat là. Et qui ont oublié qu'ils avaient call. Putain, c'est call demain. C'est pas le samedi l'école en CPG. J'en sais rien. J'en sais rien, je crois que c'était samedi. Je vais me répondre dans le chat. Révisez vos coms et bien évidemment ouais. Révisez vos match-up League of Legends d'abord. Ouais, ici ça joue à LoL. Hein. Ici on sent bien. Ici ça pue. Ah, ici ça pue. Bon, attention, ici on trouve peut-être un peu encore une fois sur Cover. On déloigne cette Kindred. Bien joué de la part de Morvatch, ça devrait être validé pour ce kill. Est-ce qu'on peut turn maintenant sur cette Kindred qui est toute seule? On a le Kindred, on a même pas le temps de la mettre. On a pas le temps, on l'a juste pas mis. On a juste pas appuyé sur R du côté de la Kindred. On s'attendait pas au burst de la part de Morvatch. Et on vient être puni. Immédiatement, on a combien de stacks sur cette Kindred d'ailleurs? On pourra sûrement voir au moment de respawn. On en a 3. On en a 3. C'est pas ouf. En vrai, ça pourrait être mieux. C'est pas horrible. Donc, pourrait être mieux. Et Moonset qui est mort. Il est mort. Point, bonne journée. Au moment où j'ai vu qu'il se faisait stun dans le E, en même temps, c'est tellement surprenant hein, de jouer contre un Bolibear qui joue Hitmaker comme ça. C'est compliqué. D'accord, il a même pas encore son Hitmaker, il a des Mercure en plus. Elle ne peut rien faire, cette Gwen. Point marque pour la Kindred toujours. Ah, il faudrait peut-être un peu s'accélérer, ouais. C'est pas assez à 2 minutes pour cette Kindred. Et attention, ici on touche le slow sur ce Zilean. Il va avoir le temps de s'ulti. Est-ce que ça va lui laisser le temps de temporiser pour toute son équipe? J'ai l'impression que ça ressemble à un win parce que toute l'équipe bleue s'est déjà rassemblée. Le Ezreal qui arrache complètement l'équipe adverse. Et pendant ce temps, la Moonset qui essaie de prendre son trade sur le top side. Bon, claque le ghost. Est-ce que ça va être suffisant? J'ai l'impression que Moonset n'a pas du tout les dégâts pour finir ce play. Il y a eu un ulti complet, il a pas de midlife. C'est triste côté Gwen. Pendant ce temps-là, le Zilean qui vient. Le Zilean qui fait son taf de Zilean et qui cassait les couilles avec tout le monde. Oh, il est champion et Moonset qui va mourir une nouvelle fois sur stop side. Vraiment bonne journée à toi, Moonset. Aïe, c'est Volibear qui fait bien trop de dégâts maintenant. Il va être compliqué. Bon, ouais, là, bonne journée aussi. Hein. Ah, là, c'est la fatigue. On sent que c'est la fatigue qui joue. Il y a beaucoup plus d'erreurs dans les games précédentes. On misidentifie ses dégâts, on misidentifie sa tankiness. Et on finit par mourir bêtement. Que je peux avoir le nombre de gold sur Volibear. Ça doit être beaucoup là. Ça doit être beaucoup. Oh là là. Et ben il y a 2700 gold d'avance. Hein. Il y a un item complet presque entre les deux top laners. Ça va être compliqué pour cette Gwen dans la game. Je vois même pas comment elle pourrait avoir une non-subtilité dans la suite. On verra. Attention, Skragas sur la mid lane. On va essayer de lancer sur la mid lane. Oh, c'est du déjà vu. C'est la même chose que d'habitude, mais c'est ça la clé. Un petit peu plus en avance, on va pouvoir positionner ce verre et Kova est sûrement avantagé. Oh, il a raté le Z, Kova, il a été flash out par le Yasuo, sinon il tue immédiatement. Il va réussir à trouver ce kill encore une fois, Imri Libal là-dessus. Imri Libal 4-2-1, extrêmement bien dans sa game. Mais le Volibear est mieux. Donc le Volibear est mieux. Le poulain du chat. Encore, qui a pris son 4ème kill de la game. Imagine si c'était Shogun là. Je l'ai vu la réponse par rapport au call. C'est bon à savoir. J'ai pas du tout fait CPG perso, alors je sais pas. Ici on a jamais fait de call. Deux par semaine le soir, on est pauvre. J'en ai une toutes les semaines. Ah bah moi j'en avais zéro. Toutes les semaines. Quoi? Un problème? T'as un problème? Tu perds ta merde! Quatre stacks. Ouais. Ah, c'est compliqué quand même. Elle est en 3-1, et c'est dommage de ne pas avoir trouvé les stacks sur l'équipe. Attention, est-ce qu'on veut vraiment aller chercher Bobby là? Ah si, il y a Yasuo à côté, il le sait, peut-être sur un bump. Yasuo est disponible, si on trouve un bump sur ce Bobby. Il y a beaucoup de pièces Yasuo. Mais comment il peut être aussi tanky avec le mec? Bobby l'enfoiré. Il peut être un Mercure. Mercure et puis le Gragas a un Cosmic Drive en premier item. C'est bizarre le Cosmic Drive, je vais faire cet item sur le Gragas. Non? Ça me répugne, j'ai envie d'aller voir. Mais il faut faire. Comment il s'appelle? Everfrost? Faire Everfrost. Mais est-ce que. Ça me paraît pas déconnant, Everfrost faire cet item sur le Gragas, si je me trompe.
Bah, figure-toi que Everfrost sur Gragas a pas un win rate dingue. Hein. Ah ouais. C'est ah, je suis à 48,82%. Hein. Et c'est quoi? Tu joues Luden ou tu joues Tank? Alors moi je l'ai en item principal, j'ai soit Luden, soit Night Harvester, soit Turbo Cap Tank. Ouais mais là tu regardes en Urf là. Non non, je regarde sur l'Analytics. Vraiment le machin là, comment ça s'appelle? Night Harvester sur Gragas? Ouais. C'est passé. Oula. Ah, Agathe qui prend sa tête entre ses mains. Ça va en vrai, je pense que la game rouge est complètement... J'ai principalement Night Harvester. Il faut voir. Il faut que ce Yasuo en vénèpe la game encore une fois, on a l'impression sur les épaules du clip. Et pour le fun fact, je n'ai même pas de Cosmic Drive dans le build de Gragas. Alors si, je pense que le build... En item 3 à la limite. Tu sais que le Cosmic Drive, dans le... s'il fait ça first item, il y a moi qui fasse le build MDR. Tu sais, avec l'item award et tout. Genre, ah oui. Ça c'est le build marrant ça. C'est le build funzy. Regarde, il est vraiment en train de faire le plus de HP. C'est vrai qu'il est en train de faire le plus d'âge possible. Là c'est trop marrant ouais. C'est vraiment un chat de Morvatch. Tu prends pas les couilles. Est-ce qu'on peut trouver un play sur combat? Oh Wes Wes Oh, heureusement qu'il te fait cue. Oh attention, est-ce que c'est vraiment heureusement Koma qui est pratiquement en train de se fight en V4? La résurrection du Zilean, le fight n'est pas terminé pour lui. On va pouvoir y retourner. Non, c'est terminé pour Koma. Est-ce qu'on peut prendre le reste des kills d'Utile Ezreal qui arrive depuis derrière? On sait qui est là ce Ezreal, mais il pourra sûrement rien faire de plus. La wave est là pour couvrir. Et on va s'extirper. On a quand même beaucoup d'HP plutôt côté Red Side avec les deux Shilbo. Mais oui, c'est vrai qu'on peut tanker ces fights assez bien, plus qu'on croirait. Et ils s'en sortent grâce à ça, notamment ce Yasuo. Sur cette Irelia en 0-5, c'est quand même dangereux pour aller tomber sur une Irelia qui vaut si peu. Je le trouve. Là, il aurait pu très mal tourner. Un Hullbreaker côté Voli. Oh là là là. Et là. Même non, Bobby est vraiment pas un showmaker. Bobby, il est juste là, il nous passe les couilles avec ses billes là. Il va juste split push toute la game et si tu es Gwen, non, c'est bon un moment. On en peut plus. Regarde ça, il build un Hullbreaker, tout ça pour aller faire Drake. Allez. Non, il a perdu tout mon respect avec ses builds, c'est trop grave. Moi je pense que le chat devrait ratio Bobby. Ah mais ratio Bobby. Ratio. Big ratio sur l'intégralité de la lignée de Bobby. Sur les Bobby. Hein. Oh bah, attention, ça touche sur ce Zilean, on va essayer d'y aller, on n'a pas de one shot possible. On n'a pas du tout les dégâts. Attention, si c'est trouvé parce qu'il peut pas rire là-dessus le Zilean. On trouve ce kill sur le Zilean hyper important. On va pouvoir peut-être continuer. Il y a le Greybad qui s'en plaint peut-être un peu trop face à ce Ezreal qui met quand même des excellentes droites. Et ces deux kills qui vont être récupérés par la Kindred. Et la Kindred vient de récupérer un stack si je me trompe. Il me semble pas. Elle était sur Thresh. Merci Bobby. Regardez Bobby s'en bat les couilles. Il est en train de bouger dans le chat. La Kindred qui veut s'envoler. Y'a à la fin. Waouh. Allez, waouh, les dégâts. Elle fait quand même très très mal cette Kindred. Elle doit être à combien de stacks là? Tu peux nous le montrer. 4 stacks? Comment tu vois? C'est pas les 4 stacks qui font le taf, hein. C'est clairement la CS diff. Ouais, c'est avec 75 CS. Mais attends, mais le build. Non, mais je vous promets qu'il est en train de faire le build full. Hâte, le Gragas. Je ne peux pas croire au tout. Il est vraiment en train de le faire, c'est même pas une vanne. Oh les dégâts de cette Irelia, même fois. Attention, Brillibad ici qui est un peu tout seul et la Irelia qui, en vrai, aurait pu le 1v1 du haut de son 0-5-2. Ce qui est un peu joué, on te dit. Oh Bobby qui met une belle droite à Morvatch. Morvatch qui perdait les Tézrial. Oh mais. Je jure que Bobby il a plus de fois taunt qu'il y a de kill dans la game. C'est trop grave. Et bon, ça déroule. Hein. On ça déroule, il faut aller devant. Ouais, là, l'équipe rouge, de toute façon, ça sentait le cochon avant le début de la guerre. Et cette fois, on a pas menti, je crois. Là, on a 13k gold. Ils vont aller la finir en 20 minutes là. Ils veulent aller se coucher tôt. Ouais, pas trop. Ouais, il y a Yasuo qui a respawn. Bon, et bah, c'est une fin de game. Et bah, c'est terminé. Ok. Bon, allez, bonne journée Yasuo.
Donc 21 minutes. 21 minutes. Et ben pour le coup, on n'a pas pu voir grand chose de l'équipe. Ouais. C'est pour ça que Bobby était en train d'écrire dans le chat là. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, un joli stomp. Joli stomp qui a commencé à la draft, hein, j'ai l'impression. Il y avait rien à faire. Comme je te disais, pour moi, il y avait un avantage évident en top et en bot lane. Le seul truc qu'ils ont réussi à rentabiliser, c'est... Le mid-jungle était... Voilà, le mid-jungle qui marchait bien, qui avait un bon combo. En dehors de ça, il y avait rien. Vous pouvez sauver la game maintenant. On a essayé. Bon, bah, c'est pas de leur faute, hein, écoute. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec la draft la plus poubelle du monde. Et ils ont réussi quand même à mettre un joueur en 0-5. Donc ça va, c'est honorable, on va dire. Ça va. Mais ouais, c'est un peu anticlimatique de finir là-dessus. On aurait vraiment faire une grosse game avant d'aller se coucher. Et de se dire que le premier jour des tryouts se finit là-dessus, bon bah... Un petit goût amer, je sais pas pour toi. Un petit peu, ouais. Dommage. La deuxième game me manque. La deuxième game nous manque à tous. Quand on pouvait en aller après le frère Timéo. Mais bon, ouais... Bon bah grosse game de la part de Bobby là-dessus, hein. Là y a pas photo, il oblitère son match-up en bonne et due forme. Kindred, alors la Kindred, je sais pas trop, j'ai pas eu l'impression qu'elle a... Elle a de l'impact forcément en late game, elle dish beaucoup de dégâts, elle est souvent là pour aider sur la mid lane. La game, ouais c'était le match-up important, donc on essaye de... On n'a pas réussi forcément à sauver la Irelia à chaque fois, mais on réussit à reprendre des 1 pour 1, des 2 pour 2 à chaque fois. Donc elle fait le taf là-dessus, donc rien à dire sur la Kindred. Et après la botlane, Ezreal qui était toujours full AT1 de Varus en train de lui mettre des chiquettes. Le Zilean aussi qui fait une grosse game. On l'a vu toute la game monter en même temps que le Thresh. Il était bien suivi. Moi je pense que le Thresh qui montait au mid c'était pas forcément la solution parce que ce Varus peut rien faire contre Ezreal seul. Il a vraiment été laissé derrière le pauvre Varus. Mais bon, on n'a pas réussi. En fait, on voulait débloquer Siasu à tout prix. Et ça n'a pas forcément fonctionné. Alors, on rentre... Je pense qu'on a trop tout misé sur Sasuo et on a oublié de faire attention sur les autres lignes. Compliqué. En tout cas, je pense que ça va être tout pour nous ce soir. Pas d'interview pour la dernière game. Pas de post-lobby. Je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur la game de toute façon. Et du coup, nous, on va se laisser. Il faut savoir que du coup, la suite des tryouts, on continue ça jeudi avec encore 3 games. Et les résultats, j'ai aucune idée de quand ça va être, mais ce sera après ce fameux jeudi. Voilà, en tout cas, nous, on va aller finir notre soirée tranquillement, je pense. Yep. Moi, je vais aller reposer un peu ma voix. Oui. Et je vais pouvoir aller, je sais pas, j'ai une petite faim là. Donc, gros bisous à tous, et on se retrouve jeudi. Bonne soirée à tous. Tchuss. Thank you.
everyone to get off their darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.